Merci. Merci. Bonsoir ou bien bonjour. Tout dépend de qui côté où y est. Et pour suivre Forum ça, c'est le premier Forum après Mondial 2018 là. On va le suivre ensemble avec nous. Et ça arrive que Mondial pas fini. Hein? Et puis, il y a une mute dans Port-au-Prince, mettre deal comme ça. Et qui voyait mon réfléchi, je ne jeudi, c'est peut-être ça, nous invités. Des gens comme Guichard Doré, qui est conseiller et dans la présidence, là, président de la République, là. Nous avons Vikens Zerilus, qui sont anciens députés, députés des Verrettes, qui ensemble avec nous, nous invités, ils viennent réfléchir. Et l'autre invité, nous, c'est le journaliste Lemoine Bonneau, qui travaille dans le journal Le Nouvelliste, qui est analyste, et qui est un monde qui a en pile expérience dans la presse, puisque. Samba Vieil, je crois qu'il y a plus passé 25-26 ans dans la presse, dans le pays. Nous venons réfléchir sur ce qui arrive et dans la fin mondiale 2018 là, et émeute dans Port-au-Prince. Situation difficile, les gens vivent. Nous ne sommes pas capables de vivre ça, nous vivons là, je vous dis, pour ne pas inviter les gens à venir réfléchir sur lui. À plusieurs reprises, nous disons ça, nous invitons les gens, pas parce qu'ils ont une raison ou bien ils ont un tort. Mais c'est des Haïtiens, même genre avec nous, qui sont capables de dire comment ils ont une situation, ça, journée, jeudi. Nous-mêmes, qui sommes journalistes, nous sommes habitués à couvrir dans des reportages, situations difficiles dans Port-au-Prince. Mais nous croyons que dans la date qui s'est passée là, et dans le mois de juillet, côté nous vivons émeute ça, 6-7 juillet 2018, là, eh bien, les gens qui sont journalistes, et anciens, on t'y crasse capable de réfléchir. Jeune, je ne sais pas comment vous pensez ça, mais on m'a dit que le Lemoine Bonneau, et là, nous allons commencer à poser la question ça pour nous dire comment le ça, le là, je ne veux dire. Parce que son situation côté, après de 40, 50 mètres, on doit rencontrer 1, 2, 3, 4, 5 barricades. Et ça, un journaliste, c'est qu'on dit longtemps, côté le RAL, on cadre de presse pour l'expliquer que les journalistes l'ont passé, je dis à son situation difficile. Alors, sans beaucoup rentrer d'emblée dans le sujet, je salue nous, messieurs, et je dis nous bienvenue dans l'émission Forum Journée Jeudi. Guichard Doré, comment est-ce que c'est pas la première bien, participation qu'on a fini ton forumologue, si je me trompe. Parce que vous avez plus passé trois ou bien quatre participations. Oui, effectivement, oui. Bon, c'est pas la dernière non plus. bon, vous avez les formes commencées, on a réfléchi parce que nous invitons souvent. Mais c'est pas merci. Mal. Ouais. Merci, Romel, pour l'invitation. Et puis, nous avons salué tous les téléspectateurs télé-Caraïbes, et spécialement les. En fait, mon crime est fort. On va y se passer d'échanges, de débats. Et tout jeune qui l'a tout, qui a participé, qui a porté réchauffement dans tout ça qu'on dit là. Et puis, nous avons salué tous les panélistes qui l'ont avec nous. Donc, nous partons pour un bon débat. Député. Bon. Tout je député, même si vous parlez dans la chambre. Oui, conservé oui. Le lacayou. Bon, certainement. Ou gen pension non. Oui. Non, ou gen pension, tout bon pension non. Ah, tout bon pension non. Non. Ça veut dire que député Verrette. Oui, m'te député Verrette dans 49e, c'est un plaisir pour nous sous tribune aujourd'hui hein. Et bon, nous espérons que nous pral gagner faire preuve suffisamment d'intelligence pour nous fourrer qui est bois dans causer hein. Pour nous capables de sortir à deux, trois éléments. Mm-hmm. Parce que dans l'introduction, on dit de bagaille que, en fait, tout le temps, nous avons déjà nous calé, toujours bien des oreilles nous capter. Tu as semblé que nous avons pile de bagaille pour nous encore, bien pile de bagaille pour nous tendre toujours. Donc, moi, salue Bono, qui est un vieux coq sous question. Moi, salue et Doré qui est capoté un petit bail plus ou moins officiel pour nous, par contre ça capoté, mais nous même nous là. Mais beaucoup sont spécifiques un petit bail. Non, pas besoin pour tout. Okay. Même ça vient un petit bail quand même. Okay. Elles sont comprenez ça tout là. Donc l'essentiel c'est que son belle tribune et nous ouais public a répondu à l'appel. À la seule différence c'est pas des jeunes seulement, nous avons des vieux jeunes oui. Qui font partie de ouais. Du public là. Moi quand on voulait aller mais oui, oui, là il a fait un petit peu. Vous êtes là. Donc, merci encore pour l'invitation, Aubel. D'accord. Et Radio Télé-Caraïbes, invité le Lemoine Bonneau tout. Le Lemoine Bonneau, c'est le premier monde qui participe dans le forum avec le professeur Demeza. Bienvenue dans le forum, ça.
Eh bien, merci Omel pour l'invitation. C'est effectivement sa deuxième participation. Et lorsque Forum a lancé, eh bien, c'est effectivement c'est moi-même avec le professeur Demetza qui était présent dans l'ouverture Forum. Mm-hmm. Alors, je vous remercie et je souhaite que bien l'autre invitation encore pour Forum. Oh, monsieur, nous fait réservation. Ah oui, bien. Bien l'autre invitation encore. Oui. Et oui. En même temps, tout, je salue Guichard, je salue Vikens, je salue tous les téléspectateurs et toute assistance qui est présente à ce là dans le débat. Et je crois que nous partons pour un débat correct. Très bien. Pour discuter sur l'événement ça qui est vraiment qui est très douloureux. Qui est douloureux et qui est important tout pour nous-mêmes Haïtiens. Parce que j'en ai pas de débat là. Et on ne peut pas être nous mentir, il y a pile de monde qui était peur, en pile dernier événement fait dans le pays. Quel que soit non haïtien porté, parce que dans notre pays, côté Laurel et le Moine Bono, et puis toujours combat d'elle. L'autre part du Valéry, si c'est la Valas, l'autre part la Valas, si c'est le secteur démocratique, l'autre part le secteur de l'État calé. Vous comprenez donc, nous vivons dans un pays comme ça. Et mais intéressant pour haïtiens qui sont capables de discuter ensemble. Il est intéressant pour nous capables de parler ensemble parce que la situation à vivre là, je dis en 2018, il y a un effort pour nous faire, pour nous parler entre nous. Ce n'est pas facile. Je me reconnais que ce n'est pas facile. Par contre, si nous avons une calotte dans la vie, mais l'équipe en calotte qui a dit nous, ça, c'est pas qui boule. Et je pense que le pays a pour aucune calotte dans 6, 7 juillet. Il y a un off the record qui t'a dit tout à l'heure, bah, il y a pas de 6, 7. Il était 8, il y a des gens qui estiment qu'il était plus toujours. Et jour que jeudi, pendant qu'on a enregistré le forum, jeudi, il y a un pile côté et il y a des situations que les gens encore vivent et mettent. Parce qu'il y a des gens qui perdent du travail, il y a des gens qui vivent des situations qui sont extrêmement difficiles, il y a des gens qui sont traumatisés. Il y a un pile de monde qui a réfléchi dans le pays. Et on a tout secteur. Et c'est peut-être ça, nous invitons, nous venons réfléchir ensemble avec nous. Et nous pensons que c'est monde qui gagne qualité radio télé Caraïbes relé la journée aujourd'hui nous t'a relé plus monde toujours hein pour venir là nous dit qualité n'a parlé de monde qui vivent des situations qui en mesure pour commenter soit vivre de près ou de loin mais c'est les haïtiens qui vivent situation monsieur m'a lancé question hein t'a comme lance un ballon hein côté on faute qui fait ou bien habite la décider que la voyer ballon en mi-temps de jouer hein nous c'est trois joueurs là. Et puis, je vais poser des questions. Comme ça, je vais le poser là pour me dire non. Dernier événement, qui ça nous apprend de plus par rapport à l'autre événement que nous habituons dans le pays. Même si je dis ça, je me subis. Parce que des journalistes qui étaient couverts en 1990-91, leur part est toujours à les 4 de presse pour dire que c'est journaliste. Et puis, n'est-ce pas passé. Hein? Et leur couvrir l'élection en 1991. Leur appel vive. Des événements dans le pays, on paraît ou dit, où c'est docteur? Et là, bon, parce que. Parce qu'il connaît son docteur qui parle de l'hôpital. C'est une situation qui n'est pas facile. Mais il quand même bon respect pour ça. Ça me vit là, aujourd'hui, c'est même que par contre, si nous vivons les tout, c'est une situation qui est difficile et qui m'a dit nous réfléchir. Pas arriver dans un niveau, par exemple, terre à terre, on a shooté sous l'autre, mais c'est peut-être ça m'inviter nous là, parce que nous faisons partie de l'élite en le pays. Il n'est pas intéressant tout pour nous garder élite, intellectuel, industriel, commerçant, toute qualité en un pays ça pour réfléchir. Peut-être ça, nous invitons nous là, jeudi à Radio Télé Caraïbes. Monsieur, comment nous vivons sans nous où est là en un pays? Je ne vais pas la gueule, mais personne. Bon, je ne vais pas la gueule. Regardez votre monde qui a répondu. Oui. Bon, moi, je pense que c'est une situation qui était réellement grave. Et je me dis grave, Fabio, dans la société, et lorsque dans société A, ce n'est pas un seul jour, lever dans la société. C'est au fur et à mesure, non seulement, premièrement, on a un espace géographique, on a un monde qui vient là-dedans, ensuite, on a une organisation de l'État. Elle évolue en fonction de gens, monde qui a dirigé l'État, en fonction de l'élite qui a dirigé, qui est dans le pays, ça. Et c'est comme ça que la société a évolué. Ou se dit, Marella, ou se dit, par exemple, est-ce que tout événement, j'en ai tout vécu, est-ce que c'est même là? Il n'y a pas de jambe quand même. Parce que la société n'a pas évolué, il n'y a pas de carité statique. En 1990, il y a eu un ensemble d'événements qui ont passé, il n'y a pas de même genre événement en 86. 2018, il n'y a pas de même à ni 2004, ni de 1991, et encore moins.
par rapport à 1986. Où vient plus misère? Pays a vient plus souffrance. Où vient plus chômage? Parce que tout le temps il y a plus monde pas de travail, pas de création d'emploi. Situation vient plus difficile. Et qu'on y a au cap dit que où vient des monde qui viennent beaucoup plus violent. Mais est-ce que violent ça? On ça au violent que où il est violent, qui paraît violent vraiment. C'est yo créer violence ça ou bien c'est gens situation sociale l'avenir qui pousser moun sa vin violent. Alors là moi crois que leçon pour nous tirer d'événement qui passé là c'est que remarque qui fondamental qui type de moun qui dirige l'état ces derniers temps c'est pas moun qui vivent dans société a yo levé yo vivent yo grandi y a l'école ça pas l'école yo rete chita. Mais grande raison que la société a évolué comme ça. C'est parce que pendant, depuis un certain nombre de temps, nous avons ensemble de monde qui dirige le pays, ils n'ont pas de jambes à la hauteur pour diriger le pays. Ils n'ont pas de formation pour ça. Ils n'ont pas une histoire politique pays bien. Ils n'ont pas entouré de monde qui est valable. Et c'est ça qu'on mettait dans toute situation. Ça. Je dis la première leçon pour nous tirer, c'est est-ce que nous pouvons gagner le même type de monde ça cap diriger pays ça cap diriger demain ça c'est première leçon pour nous tirer parce que bon bah est clair lorsque on foule monde qui sorti dans la rue cap revendiquer par rapport à gaz ou monté pas revendiquer seulement pour gaz non il y a un ensemble de problèmes qui t'a traversé déjà il y a un ensemble de frustration oui? Et puis quand il y a sorti dans la rue depuis on foule prend la rue eh bien il suffit que yon moun entre dans mitan foule ça. Et puis il dit, monsieur, oh, on a casé ça, non. Et puis tout le monde a dirigé à la casier. On ne foule pas l'objectif. C'est yon moun qui entre dans la foule là. Même si la foule là manifeste, elle pas d'accord gaz monté. Mais il a fallu que yon moun entre dans la foule là. Et puis il dit, monsieur, oh, j'en ai que ça fait ton pays ça. Gardez bien le gars, on entre. Et puis tout le monde entre dans la casier. Ça veut dire que. Vous choisissez mon foule là? Non, parce que c'est un monde. Parce que j'ai une femme dans des peuples. Ah non, on foule le monde, on foule le monde. Il y a une foule dans la rue, c'est ça. Parce qu'on foule pas un objectif, on foule pas un guide. Mais il suffit que foule là, il y a un monde qui est infiltré. Il y a un monde qui est la donne. La population a revendiqué vendredi. Eh bien, il n'y a pas de quoi faire des barrières graves. Il était fâché, il sortit, il met des barricades, il montrait frustration, il n'est pas d'accord avec le gaz là. Samedi matin, le Premier ministre montait sur la radio, il parlait et il confirmait que le gaz là montait. Et elle pas dit la pour descendre gaz. Non, dit le bon, il y a des mesures sociales qui peuvent prendre des bagages. Mais la population vient beaucoup plus nombreuse qui sorti. On pas écarté possibilité de infiltration. Mais faut nous reconnaître que la situation est grave. L'homme vit en pays et que monde n'en connaît que lorsqu'on peut monter gaz là. Contrairement à ça qui devait lui faire monde comprendre que pas grand monde qui le connaît dans ça dire. Son gouvernement était là quoi avec. Pour dire que les gaz là monté et que c'est pour les bourgeois bénéficier gaz là, les gaz là dans l'état ça. Il faut que gaz là monte pour les bourgeois suspendre pas bénéficier. C'est bourgeois qui est génératrice. Lorsqu'on monte gaz là, n'importe monde qui sorti non lieu pour aller dans l'autre type de camionnette, pour sa camionnette là monte. Un monde qui connaît l'acheter 50 régimes dans la caille, la vie de vendre Port-au-Prince. Si on te compte pour 50 régimes dans la caille, par exemple pour $250 haïtiens. Eh bien, depuis gaz a monté, eh bien, 250 régimes ça, qu'on y a pris après le monté. Et là, ça, au monde qui te qu'on a acheté 3 graines de bananes pour 50 gouttes, il va acheter 80 gouttes. Alors, je ne sais pas quelle logique qui va dire là même. Je ne sais pas quelle logique ça dit. Ça veut dire que, lorsqu'on a un pays, où il y a des dirigeants irresponsables, qui prennent des décisions, ils n'ont pas tenu compte de conséquences des décisions ça va le gagner, eh bien, c'est ça que mettez dans notre chou. Le son pour nous tirer, est-ce que demain, si Dieu veut, nous va le gagner type de dirigeants ça va diriger le pays. Parce que pendant 30 dernières années, ce n'est pas que Duvalier était bon, non? Parce que moi, je parle de 30 ans de mauvaise gouvernance. Depuis Duvalier allait, mais ce n'est pas que la gouvernance de Duvalier était bon, non? Mais pendant 30 ans, ça, que moi, je vive, que je garde l'événement, mon cher, c'est son situation vraiment terrible. Alors, leçon pour nous tirer, est-ce que nous parlons de ce type de dirigeant ça? Parce que là, pour une décision, on a un choix par rapport à un paquet de possibilités. C'est ça, on a une décision. Si on prend une décision, monter gaz là, eh bien, il faut analyser qui conséquence ça va gagner. Ou faire deux tentatives pour monter, ou faire un bruit pour dire gaz là pour aller monter. Vous commencez à brûler le caoutchouc, lison.
yo bloqué route Riel Lazon, yo bloqué route route frère. Ça veut dire que vous senti une réaction qui a venu sur mon tel. C'est Guilal va même courir monter sur la dire non, c'est pas vrai, Gaza va monter. Ça veut dire que la population a dit bon, Gaza va monter vraiment, li calme. Ou font deuxième tentative encore, yo bloqué route. Et puis malgré ça, pour dire en vendredi, et ceci, c'est pas ça va gagner 3 mois ni 6 mois, non. C'est environ pendant 8 à 10 jours, oui, vous faites deux tentatives pour monter Gaza. Alors je dis à conséquence, leçon pour nous tirer la donne, eh bien, fuck, haïtien, je dis à là, comme c'est pour responsabilité, est-ce que n'importe quel monde qui a dirigé un pays? Bon. Donc, il y a une question ça. Mm-hmm. Est-ce que n'importe quel monde qui a dirigé un pays, n'a pas retourné à Bokoto, le moine Bono, député. Et c'est vous qui avez réagi ou bien Guichard Doré sur question? Bon, mon petit Jean, regardez si je me mettais comme dans la tout. Ouais. Alors, mon professeur sciences humaines qui t'a dit, bon, je fais un dans la marotte là tout. Mm-hmm. Pour un bagage pour nous qui avons compte de lit, on va être simple. L'on chaud de la bouillie, l'on elle récit beau. Phénomène en l'air crème qui a bouilli, nous ne connaissons pas crème. Comme si nous avons les choses qui ont bouilli, et puis ouais, comme si nous avons conseil de temps, conseil de titre, qui a sorti, et puis qui a bordé, ou dit bon, les choses qui ont bouilli, nous avons rassuré qu'elle commence à bouillir en bas longtemps. Avant le récit, bon expression que ou dit bon, les choses qui ont bouilli, nous avons garanti. Ou bien doit gagner gratin en bas même. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que expression de ras-le-bol 6 7 8 juillet son bagage qui couvait longtemps c'est 6 8 là le calé mais son bagage qui couvait longtemps dans tête peuple là. Dans tête foule là. Ah ouais, c'est me forme que vous trouvez. Parce que mon frère a parlé de foule. Justement, pour mon camarade la raison, dans tête foule là, bah ça a prouvé longtemps. Ah bah, moi m'apprendre au sérieux, m'apprendre notre parce que nous dit. Non, c'est pour moi même, on ca dit peuple. Fin dit peuple pas dit foule. Oui, pour me rentrer dans même registre avec Bono, dit foule. Bon, moi même peut-être que gien de bagarre que m'pa vivre avec même conscience ça avec même état d'esprit en 90 m'étais un petit gens encore molle sous question et politique yo. Ouais ça me doulant même t'es vivre de ta bagarre m'étais vivio comme si m'ta dou dans non sens bon ou a regarder barricade et route bloquée et bon ou doit pas seulement comprendre ça te veut dire quand tu t'es pour aller ou pas tellement que bah c'est ça mais ça nous le dit par là et Bono on nous pas garder 6 7 8 là on nous pas prendre on nous pas prendre comme ça on nous aller plus loin que ça comment on va faire rester nos pays un gouvernement prend décision. Et puis, à la minute, le pays a bloqué. C'est ça pour nous essayer de comprendre. À la minute. Parce que moi-même, tu es à quelques mètres de la caille. C'est de justesse que je suis rentré la caille. Parce que je ne suis pas rentré. Et il y a plein de monde qui était tout partout, qui n'a pas eu temps, même traverser une bonne cinquantaine de mètres. Qui soit dans le travail, qui soit dans la route, etc., etc. Quel est ce phénomène qui explique que. Gaz la monté 85 gouttes son gallon et puis pays a bloqué. C'est ça pour nous essayer de comprendre. Côté moun yo joine stratégie ça. Son bagage qui t'a ka étudier à l'université par exemple. La stratégie de bloquer pays d'un coup. Comment elle est? Oui, la stratégie de bloquer un pays d'un coup. Oui, vin étudier par ça en Haïti, ouais ça me doulan dans l'université, comment capable bloquer un pays. M'té un bagage comme ça. Mais c'était en juillet 2000. Pas oublier que Préval a organisé une élection 21 mai 2000. Et la Valas a gagné toute élection. Et Préval a gagné l'étape Moukoum Kol avec Léo Manus, qui était président de KIP l'autre bois. Pour résultat, bail, résultat pas bail. Pour résultat, puis la Valas dit bon, on va le montrer, faut résultat bail. On a bloqué le pays, on a sauté à fou, on a vu le donc, mais là, ça. Il était participé à un là, c'est ton on organisation politique qui était revendiqué. Mais ça qui fait si c'est tu dis a mandé besoin pour monde bal parrain. C'est vrai que tu as gagné plusieurs secteurs qui étaient même gens comme Zimdadou et gouvernement t'a fait nous fil à langue. M'a monter, m'pa monter. L'époque monter, mais l'a monter quand même
Non, il ne peut pas monter. Mais la population a tout dit, monter ou pas, quel que soit l'aile monter, on a réagi. Et on réagit à temps. Maintenant, gon aspect moins et peut être capable bon petit gens déploie ton aime c'est aspect comme tu d'adou dirigeant dans deux circonstances pareilles faut on n'est pas jamais oublier ça dans les akokoy pour Maurice Sixto déraper l'audience là il dit bonjour madame puis bon passer contre la route ou comme ça veut dire. Un président pas capable de folie. Un gouvernement pas capable de chimère. Même nous chimère, c'est pas de l'essence crasé brisé non. Chimère, c'est nous qu'a dit en français, c'est des rêves. Le bagaille, tant qu'on doit venir là, c'est premier ministre, c'est président comme si me d'ou me rêver demain matin tout le monde pral manger vente des boutonnés. Député dit non. Ou dit bonjour puis bon passer con. Bonjour madame. Bonjour madame puis bon passer con la route. Dixit Maurice Sixto. Ouais, dans introduction pour ouais. Le Akoko. Bonjour madame, puis bon parce qu'on la route. Là ça veut dire que président gagne droit, gagne toute volonté, velléité etc. C'est là le pour aller, mais si président rentre à l'évidence, il pas fin tellement bon, gagne droit, il pas veut dire là mais en tout cas. Et en autre terme, il faut qu'ils vont côté ou tendez. Voilà. C'est-à-dire que gagne droit pour aller en côté ou qu'on route là. C'est vrai, mais l'arrivée sur route, la gagne des moun ou saluer, madame, monsieur, comment vous êtes, etc. Vous avez évité un bagage qui est devant. Parce que vous avez comme impression que vous arrivez à un certain moment, vous avez seul comme si vous avez avant de sortir, qui a payé pour ses causes. Mais il ne faut pas oublier, pas jamais oublier ça. Guy, c'est pour telle parole là. Est-ce que Guy crée parole là? Nous pas trop, nous ne pas fini tellement d'accord. Parce que pas jamais qu'on gagne un côté. Yo démenti ou bien gon parole qui allait à l'encontre de parole qui a poussé causé à longtemps tout le monde rete comme Zinda Dou Guy 4x4 sur toute radio depuis le jour qui a parlé pour juste radio fermé pas grand aucun problème c'est même parole là gaz la ponté parce que gagne des monde qui bénéficient de gaz nous besoin l'école alors que théorie ça tout le monde connaît le pas marché tout kounya tout le monde connaît que ka regarder pour ouais gaz a ponté c'est parce que FMI Banque mondiale a pêché un président pour dire c'est la même pour aller pour nous joindre deux trois bagages dans fal pays alors que on va parler l'autre cause donc nous même ça nous doit kembe compte de lui ça nous doit kembe compte de lui phénomène 6 7 février pense nous 6 7 juillet pas un phénomène spontané il gagne plusieurs paramètres qui expliquent donc c'est ensemble de paramètres ça pour nous expliquer pour nous capable comprendre et c'est comme ça il manifester et automatiquement fin garder n'a prendre nous à l'évidence que côté nous chita là peuple la gaye dans la rien foul yo gaye dans la rien yo ka à n'importe qui moment ou ka lever ou chercher pays ya ou pa wel Richard Doré merci je t'en ai deux premières interventions intervenant oui des interventions brillantes mais même si que on va éclaircir les choses pour voir qu'est-ce qu'il y a comme élément à recadrer ou à avancer ou à accepter. Ça me dit c'est que un sur le plan économique et puis sur le plan humain, moi c'était très terrible. Sur le plan humain, désastre humanitaire, bon puis n'ont pas mettre la dedans, puis le petit monde qui était là caillou, pas joindre l'eau au bois, médicaments, monde qui était malade etc. Au-delà de l'aspect m'a dit désastreux qui était cagé en termes de dégâts sur le plan matériel, etc. Des pertes en vie humaine. Elle profitait et moment ça pour sympathiser avec les familles qui sont victimes, etc. Les gens qui ont gagné un bras recoupé, etc. Mais également les entreprises qui ont pu l'adore qui incendiaient, d'autres pillées, etc. Sur le plan économique, en termes de. Moi, c'est son regret de plus de 20 ans en termes d'amélioration de l'environnement des affaires en Haïti. Vous remarquez que, par exemple, une grande entreprise. Qui ont gagné entreprise touristique dans le pays qui était arrivé, qui était gagné en attente de 24 000 touristes qui étaient devenus dans le pays, ils réduit de façon considérable. Hôtel, lui a parlé. Oui, hôtel qui saute. Je ne vais pas faire publicité parce que je ne connais pas publicité, mais je connais qu'il y a un peu de monde qui a annulé. Il y a une agence publique qui a fait placement touristique dans le monde, c'était la première, qui était sur Haïti, l'héritier Haïti sous l'Isle. Donc, son gros coup pour le secteur touristique. Ensuite, en termes d'investissement,
pour des entrepreneurs, en pile là-dedans qui peut m'appeler en lettre là tout à l'heure de docteur Boulos publié, en pile monde qui peut dire en pile effet yo et donc moi c'est désastreux. Mais maintenant ensuite dans ça il y a la souffrance sociale au niveau des quartiers populaires que moi-même reconnais et parce que il y a des explications à ça. L'économie haïtienne depuis une dizaine d'années était campée sous 5 pieds. Il y a trois pieds là-dedans coupés. Rete deux. On a dit grosso modo, il y a diaspora qui bon mal an, qui continue à voyer environ 2 milliards de dollars dans le pays et puis la douane et DGI l'état qui avait se collecté. Mais les trois pieds de gain c'était depuis séisme, tu as gagné un paquet ONG qui dans le pays qui diminue considérablement pour ne pas dire après qui t'a créé emploi. En pile là-dedans, en pile monde ca des jeunes etc. ou bien tu as gagné coulé, tu as Tu es un ministre au moins tout, malgré critique au-delà du discours nationaliste, tu es gagné, mais il faut reconnaître que la ministre a créé des emplois dans le pays. Et tu es gagné en pile monde qui a vécu des rentes immobilières surtout, tu es gagné une explosion des prix de l'immobilier, surtout à Port-au-Prince ou dans les grandes villes. Et depuis quelques temps, tout le cas est censé vide. L'autre sans de gain, c'était Petro-Caribé. Malgré les discours qu'il y a quelques temps pour dire que tu as une corruption, je ne suis pas là pour barrer quoi que ce soit, mais il faut connaître des projets ont été exécutés dans le cadre de Petro-Caribé pour permettre une circulation monétaire dans le pays. Donc, l'autre économie a fonctionné sous 5 pieds, il y a 3 pieds coupés, c'est normal dans les sociétés. Donc, le financement social de l'économie n'est pas assuré. Donc, il y a un paquet d'emplois qui est supprimé catégoriquement. Pour série de monde, il y a des âmes d'arrêter des emplois directs et indirects qui te permettent au moins qu'on vienne te faire une somme de strap social dans la société qui est bloquée. Donc, là, on vient de gagner au chômage. Ensuite, malgré l'effort que le gouvernement a fait dans la caravane pour augmenter, parce que quand le président Jovenel est arrivé, nous avons gagné 80 000 tonnes, nous venons aujourd'hui à presque 120 000 tonnes. Donc, au moins, il y a une progression. Mais de toute façon, pour le riz, mais c'est 600 000 tonnes nous avons besoin. Mais comme il y a plein de monde qui a perdu le pouvoir d'achat, donc, si tout dans les quartiers, vous connaissez comment l'économie a existé dans le marché. L'homme, on a travaillé, il y a 3-4 personnes sur le côté. Ouais. Donc, maintenant, on vient gagner, ça me tarde, donc, en distribution des minéraux pas fait dans la société, qui crée des problèmes. Vous reconnaître que c'est une situation difficile. Ah, bien sûr, on reconnaît cette situation. Donc, maintenant, ceci étant dit, crise là, c'est vrai qu'il y a des causes conjoncturelles ou bien occasionnelles, d'après un terme historien. Gaz là, c'est peut-être qu'il y a un déficit de communication. Parce que moi-même, je n'ai pas intervenu sur le dossier ça, parce que pour la bonne raison, le dossier était un dossier gouvernemental. Je n'ai pas intervenu sur lui. Je me rappelle que le président est arrivé pour la première fois. C'est moi qui ai porté le dossier et pétrole et Gaza avec le syndicat, on a négocié, on a eu un accord. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et la négociation collective est toujours difficile en Haïti, mais c'était un peu impératif. Pourquoi? Parce que il faut, quand on fait de la politique, il faut tenir le langage de la vérité. Mentir, ça ne sert à rien, on a menti la population alors qu'on sait la vérité. Aujourd'hui, on paie gaz là, d'ailleurs, bah, même prix normal là. Parce que ça n'a acheté non, même là, ce n'est pas sous marché normal l'acheter, parce que nous n'avons pas de raffinerie en Haïti. On a dit, baril là, li, à 75 euros aujourd'hui, c'est baril brouillé. Donc Haïti, c'est fini en acheter. Donc nous achetons le plus cher. Mais depuis quelques, à peu près un an, Haïti n'a pas acheté gaz dans le Venezuela. Donc c'est-à-dire, en termes de coûts préférentiels, notre argent dans le Venezuela n'a pas gagné. Donc, l'État haïtien a acheté gaz là sur le marché spot. C'est-à-dire que les conditions n'ont pas acheté grand volume. Nous avons un marché qui prend autour de 14 000 barils le jour, normalement. Mais nous sommes obligés de prendre 20 000 parce que nous avons une frontière poreuse, nous avons un déficit, un différentiel de prix entre Haïti et la République dominicaine qui fait que il y a une pile de voitures ou bien des camions qui sont en République dominicaine qui viennent approvisionner en Haïti. Donc nous avons autour de 6 000 barils qui quittent le territoire. Donc il se trouve que Haïti, jusqu'à présent, il n'a toujours pas acheté le marché spot là, l'acheter le plus cher parce qu'ils n'ont pas fait grand volume. Donc, lorsqu'il est dans la situation, ça, là, je dis là, nous avons payé gaz en Haïti, nous avons payé la 47 dollars. C'est le prix de 47 dollars. Donc, quand on fait la politique, il faut dire, tenir le langage et la vérité. 47 dollars. Imaginez que Haïti va faire gaz, nous sommes obligés d'importer. Nous avons acheté, nous avons payé, je dis, nous avons mis le gaz dans la machine, c'est-à-dire, nous avons payé l'État haïtien, nous avons payé la 47 dollars. Mais l'État haïtien n'a pas payé la 47 dollars. Je dis là, le dernier commande, il y a deux semaines avant le problème de tarif, il était 75 dollars. Donc, maintenant, où venez le déficit? Donc, en tant que nation, il faut que nous fassions des choix. Est-ce qu'on a renoncé
ça me dit les TIPP, c'est-à-dire taxe intérieure sur produits pétroliers, dit non, dit non, pas besoin. Okay. C'est un choix national. À ce moment-là, on va au Parlement, nous dit retirer la loi à ce moment-là. Parce que quand il y a une loi, on doit appliquer la loi. Quand le gouvernement n'applique pas la loi, l'économie a commis une faute. Parce que la loi, quand elle m'a parlé devant un avocat, quand on loi là, vous vous appliquez, à moins qu'on retire. Pour retirer, il y a des formes, des voies régulières pour retirer. Donc, ceci, moi, je crois que aujourd'hui, c'est vrai que prix a été haut par rapport à la population, mais ce qui n'a pas été dit, c'est que le différentiel n'a pas été vu sous population. Parce que je connais que tu as un travail qui t'a fait, c'est peut-être cet aspect-là, probablement, le gouvernement était pris dans une situation un peu difficile, pas de vous expliquer. Je t'ai cherché moyen pour un prix qui est plus ou moins préférentiel par rapport pour la population. Mais malheureusement, ça n'a pas été expliqué de façon claire. Tu as un déficit de communication. Si tu as dit qu'il y avait un déficit de communication. Deuxième bagage, je estime qu'au-delà des problèmes politiques, nous avons un problème de l'économie nationale. C'est l'économie nationale qui crée tout le problème. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'en Haïti, on a des problèmes sociaux. La réponse est économique, la gestion est politique. Il y a trois éléments, je dis là. On a des problèmes sociaux, c'est pas aujourd'hui, et de plus en plus, Nous avons trois faits tout à l'heure. Nous avons trois faits de financement de l'économie qui n'est pas là. Il faut toujours avoir un bon joueur. C'est pourquoi il y a toujours un bon malin. Il y a un cycle d'immigration. Et dans les années 60, nous avons un groupe qui allait dans les pays africains, partie Canada. Chaque décennie en Haïti, chaque 10 ans, on fuit des cerveaux, etc. Donc, pourquoi que votre économie ne crée pas suffisamment de richesses? Donc, la bataille aujourd'hui, c'est peut-être pour la production nationale, pour créer de. Améliorer l'environnement des enfants, ce n'est pas détruire pour nous détruire. Je vais regarder notre docteur Boulos, il y a plus que à peu près 673 personnes qui perdent emploi aujourd'hui. Là. Les gens sont des maths, ils ont l'école de pauvreté, ils sont tout au chômage. Non, ce n'est pas eux-mêmes, mais tout l'environnement autour d'eux qui perdent emploi. Donc, on peut écouter qui n'a pas d'emploi, on a détruit l'emploi. Donc, maintenant, gaz. C'est un problème, c'est un problème de communication, etc. Moi, pas quoi que le problème dans en soi. Parce que si tu as suffisamment d'explications, il y a plein de monde qui connaît, mais pour des raisons politiques, politiciens, il va expliquer très bien. Parce que dans une démocratie, que ce soit vous êtes de l'opposition, vous êtes du pouvoir, on doit tenir un discours de vérité. Mm-hmm. La vérité en politique, c'est très important. C'est vrai qu'on peut toujours tirer politiquement des avantages dans une situation qui est normale. Mais maintenant, quand il y a des faits, on ne peut pas mentir sur des faits. Donc, quand on fait là, il faut laisser les faire pour parler par eux-mêmes. Merci Richard Doré. Je regarde les députés d'Éry-Louis Kanvi réagissent. Il y a plusieurs motions. Je regarde tout. Tout petit, tout petit. Et le Wan Bono Kanvi m'a des motions. Tout petit. Mais, je vais excuser, je vais occuper nous. Je vais parler avec Joe Antoine Jean-Baptiste, qui est dans le forum, qui va le causer avec de l'autre monde qui va en ensemble avec nous là. Bien, c'est écrivain, monde de la société civile, qui a nos opinions et tout. Je vais demander de nous faire souffrir pour nous garder les gens dans le reportage que Joe Prel fait pour présenter nous et situation. Après, je vais tourner vers nous et c'est ça. La démocratie, la tolérance aussi. Pour nous entendre Joe Antoine Jean-Baptiste qui va le nous, ils l'autre son, nous sommes capables de dire, on l'autre pan dans la société, ils sont capables de nous comment ils ont eu même. 6-7 juillet 2018. Port-au-Prince et certaines villes du pays ont été les 6 et 7 juillet 2018 le théâtre de toute une série de mouvements de protestation suite à la décision du gouvernement Moïse Lafontaine de réviser à la hausse les prix des produits pétroliers. Les autorités gouvernementales ont trouvé plein de raisons pour justifier leur décision d'osciller entre 38 à 51% les prix du carburant à la pompe. De nouveaux tarifs qui répondaient aux exigences du Fonds monétaire international FMI. Les subventions qui existaient sur les produits pétroliers avant la publication des documents officiels au début du match opposant le Brésil et la Belgique en quart de finale de Coupe du Monde a constitué, selon les décideurs, une cause de déficit pour le pays. Malgré les stratégies déployées pour distraire la population, en moins de 24 heures, les dégâts et pertes matérielles enregistrées étaient considérables. Le ministre de l'Économie et des Finances a cru que la hausse drastique des produits pétroliers pouvait résoudre les problèmes dus à la consommation de plus d'un quart de baril par des Dominicains qui traversaient quotidiennement la frontière pour bénéficier des tarifs plus avantageux. De fait, le gouvernement estime qu'il était anormal qu'Haïti continue à subventionner l'économie de la République voisine. Tôt dans la matinée du 7 juillet, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a fait une déclaration
Sur la télévision nationale d'Haïti, il appelle la population à la patience et laisse croire que la mesure était inéluctable. Son intervention n'a pas calmé la colère populaire. Les axes majeurs du pays et même les routes secondaires ont été bloqués. Des barricades et des pneus enflammés ont été dressés. Des commerces ont été pillés, des voitures brûlées. Dans le quartier aisé de Pétionville, des bâtiments ont essuyé de grands dommages. M'a demandé nous patience parce que je dis, hein, nous avons une équipe femme avec garçon qui est dans tête pays, hein, qui dédie vie yo, pour servir la population. Je demande pour tout haïtien, ça qui est dans l'opposition, ça qui n'est pas dans l'opposition, ça qui est riche, ça qui est pauvre. Ça qui parle, ça qui fonce. Pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que nous tous, nous avons un grand dénominateur commun. Dénominateur commun, ça, c'est Haïti. Quelques heures après son appel à la patience, le chef du gouvernement a annoncé sur son compte Twitter que la mesure d'augmentation des tarifs était suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République a mis plus de 24 heures avant de réagir face aux pressions populaires. Tard dans la soirée du samedi 7 juillet, le chef de l'État, dans une adresse à la nation et en dressant le bilan des actions posées depuis qu'il dirige le pays, a invité le peuple haïtien à se ressaisir. Du coup, il annonce le retrait de la mesure. Moi, j'ai décidé de venir parler. Non, c'est parce que le peuple a parlé. Moi-même, comme président, nous tenons sous pouvoir. Faut me tendre, nous. C'est pour ça, nous avons une décision que le gouvernement a prise pour lui retirer la subvention dans les affaires de gaz. Je me demande pour le gouvernement retourner sur le Premier ministre. Là, fait. Ça veut dire, depuis après-midi, le gaz là, même prix lié, était avant, sous tout pays. Face à cette situation de tension qui a secoué le pays pendant ce week-end, certains esprits avisés se posent désormais la question : quelles leçons tirer de ces derniers événements ? Plus d'un reste sceptique quant à la décision des gouvernants à tirer des leçons de la situation et à agir en conséquence dans l'intérêt de la grande catégorie. Les propositions sont nombreuses, mais comment les matérialiser ? Depuis les protestations des 6 et 7 juillet derniers, la situation reste tendue dans le pays. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé, à l'issue de la séance d'interpellation de la Chambre des députés, qu'il a remis sa démission au chef de l'État. Entre-temps, le président de la République multiplie ses rencontres avec les divers secteurs de la vie nationale. 15 jours après les incidents qu'a connus le pays, proposer un nouveau Premier ministre au Parlement reste encore dans l'impasse. Merci.
Merci, c'est le travail de Jean-Antoine Jean-Baptiste qui font virer là, garder pour nous. Et puis, messieurs, nous supposons nous suivre et puis nous regarder. Oui, nous regarder, nous attendre. Et puis, ça dit, Bono. Nous allons. Ça dit. Bon, samedi. Et moi-même, je plus fait suite à ça et intervention et Guy Chadeau. Non, 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 pas oublié, monsieur. Pas d'accord du tout. Lorsque Guy Chadeau a montré mon série de. Et par contre, c'est théorie économique ça, oui, qui fait payer en Haïti, ça, tout bagay, ministre, ça ne va pas qu'un bien en économie. On ne va pas parler de ça du tout. Ou on paye ou monte comme président, de pour monter, il faut un programme économique. Qui soit décidé de faire pendant 5 ans? Parce que, en pile, monte pas de bravo, le président l'a annoncé caravane. Parce que depuis environ 30 ans, pas d'agriculture dans le pays. Tout le gouvernement qui passe, René Préval qui a fait 2 tentatives de réforme agraire, il n'a pas continué. Deuxièmement, elle n'a pas jamais parlé de réforme agraire. Alors, son président paraît, et c'est la première fois, depuis environ 30 ans, que son président paraît, il dit que lui-même, il va relancer l'agriculture. Tout le monde bat, en pile, le monde bat bravo, on va dire tout le monde. Mm-hmm. Ok, c'est très bien. Mais mes amis, l'économie, ce n'est pas seulement l'agriculture. Il n'y a pas que seulement l'agriculture. Ah, mais qui ça le fait encore en économie? Soit bon, gébé là. Qui ça que tu défini? De pommes de. Entendez, Guicha. Guicha, je vais parler tout à l'heure. Qui t'aime fin de parler? Ou monte, mes amis, l'économie. Il y a un secteur qui est primaire, qui est secondaire, qui est tertiaire. Ça veut dire que, aujourd'hui, là, on a tapé là. Pour dire que c'est seulement, ou pas le faire caravane et puis pays après le lancer. D'accord que l'agriculture a pour beaucoup. L'agriculture a très bien. Mais mes amis, ou pas qu'à dire, tout gouvernement passé, vous faites même 21, le président vient continuer à faire même bagaille là. Personne ne va jamais venir un programme économique pour dire, mais ça me va le faire au point de vue agricole. Oui, monsieur de Garrigou. Sorry, les mêmes bagailles là. Ah, tu sais, pas jamais. Quel gouvernement, non? Depuis 30 ans, qui a un programme économique qui vient faire là? Personne. Moi-même, qui t'a fait finir? Ça veut dire que personne ne va venir un programme économique. On est à où à parler de ministre qui a un bagaille, qui a un emploi, tel. ONG, t'es là. Mais c'est pas venu à ça. Non, mais en dehors de l'agricole, en termes économiques, qui ça le fait encore? Qui ça le propose? Qui ça le devine avec elle? Vous comprenez? Pas rien en économie. Parlez-moi de ça. Deuxièmement, encore, vous dites que tu as un déficit de communication. Mes amis, pour date, nous avons tenté, avant que nous ne parlions pas de ça, fait, ou bien nous ne parlions pas de la communication. Vous comprenez? Si vous dites que nous ne parlons pas de ça, nous reconnaissons que c'est le gouvernement qui a fait, quand vous parlez ensemble, pas tout courant. Mes amis, le directeur général de la police nationale, le directeur général, dans l'interview de la nouvelliste, il dit le jeudi, il a mobilisé, il m'a démobilisé toute troupe. C'est ça, oui? Le pouvoir, dit-il. Mobiliser toute troupe. Parce que nous voulons le parce que il va monter Gaza jeudi soir. Il mobilise toute troupe. Ok? Il va monter gaz jeudi soir. Vendredi matin, il va pas un gaz qui monte. Il va prendre rien. Et puis tout le monde. Il a démobilisé. C'était pour jeudi soir, on a démobilisé. OK? Quand il y a là, vendredi, à 1h45, gaz a monté. Le directeur général de la police a dit que c'est Minijus qui mettait le courant que monte gaz. Ça veut dire que là, pour le montrer que il n'y a pas de café en rien par rapport à débordement que fait jeudi. Mes amis, jeudi, hein? Pas parler de t'es un déficit de communication. Moi, même dans des toutes propres paroles, le président qui a parlé de oui, il reconnaît que c'est le président ça pas tout courant, c'est le gouvernement seulement. Mes amis, pas faire, pas prendre mon bouddha pour des imbéciles. Vous comprenez? D'accord. Romel, monsieur, t'as répondu ça. Député, alors, comme il est en contradiction par rapport à Bono, donc vous attendez, il peut avoir su. Sous Fronticas, oui. Guichard Doré. Très bien. Bon, alors, dans un premier temps, monsieur Bono dit. C'est l'agriculture. Il n'y a pas que seulement l'agriculture. Et pendant ma parole, il y a environ plus de 1000 km de route, il y a un travail qui a fait sur eux. Ça crée emploi. Écoutez, attention. Quand on, l'économie, ça fait deux choses qui fait. C'est la vitesse de circulation de l'argent et le nombre d'emplois créés. C'est vrai que sur le plan financier, il y a un problème. Parce que le président Jovenel, quand il est arrivé, il n'y a pas de quoi.
Fon clair, pas gain financement international depuis le venir, pas un cop. Fon pas fait tête non illusion, non pas une cop. Les mecs ressources qu'a fait et d'ailleurs c'est une stratégie innovante, le fait qu'utiliser les moyens de l'État pour faire travail, faire fonctionner le travail, surtout avec, à travers le ministère de l'Agriculture et le ministère des Travaux publics. Toutes les directions départementales du ministère des Travaux publics sont équipées aujourd'hui. Il y a 20 ans, tout le monde retirait tout le matériel là-dedans. Nous pensons que je n'ai rien contre le Vous voulez dire pas de direction départementale? Non, il n'y a pas de matériel là-dedans du tout. Pas grand. Aujourd'hui, toutes les directions départementales sont équipées. Route a fait un peu partout, dans toutes les voies. Parce que pour si je n'ai pas de production agricole dans la zone, si je n'ai pas de route, il faut qu'à faire là, c'est connecter les zones de production avec les zones de consommation. Mais pour faire, il faut qu'il y ait des voies, des routes, etc. Toutes les directions départementales équipées. Il y a un emploi créé là-dedans, pas suffisamment, bien entendu. Parce qu'il y a une bonne partie de la population, surtout à Port-au-Prince, puisque 70% de monde dans la zone ouest n'a pas de travail. Nous allons finir parce que c'est très important. Non, qui donne les ressources publiques sont limitées et les demandes sociales explosent. C'est ça qu'on a là aujourd'hui. Donc, charge qui fait sous pression qui fait sous l'État, il pas répondre par l'État pas gain moyen pour répondre avec. C'est pour ça que toujours une crise d'absolu gon brèche ici sur et qu'après toujours dit ça parce que la crise est structurelle tout à l'heure depuis 30 ans parce que l'économie moi toujours dit ça c'est l'économie on a tourné le dos à l'économie depuis une trentaine d'années depuis le départ de Duvalier pas crise n'a crise seulement dans le pays moi je veux qu'un pays qu'on nous doit la reconstruction pour nous construire des bagages là on tu crase d'accord avec mais pas dit non mais pas suffisamment on a négligé l'économie non le gouvernement écoute le gouvernement dit c'est pas seulement l'agriculture moi même dit que notre bail en fait parce que là pas l'environnement des affaires. Quand le gouvernement est arrivé, il y a un paquet législatif qui est déposé au niveau du Parlement pour améliorer l'environnement des affaires, soit pour libérer les crédits. Mais vous avez des contraintes juridiques, des contraintes légaux qui empêchent de faire. Il faut dire qu'il y a des nouvelles lois qui vous permettent d'améliorer l'environnement. Pour ça, il faut dire qu'il y a le Parlement face. Mettons qu'on est dans le Parlement, il ne dit pas voter, non, mais pas voter, non, rythme pour y aller. Et puis, troisièmement, à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait la paix pour investir dans le pays. Vous pensez suffisamment, nous avons suffisamment les ressources, le capital national est suffisant pour faire le développement national? Je ne crois pas. On va parler de la stabilité politique. Mais maintenant, pour capter, etc., donc il faut qu'il y ait des nouvelles dynamiques, que ce soit du côté de l'opposition ou de la société civile. Ce n'est pas faire des discours. Maintenant, la responsabilité est une responsabilité nationale. Quand la responsabilité est nationale, il faut qu'il y ait la mobilisation de tout le monde, y compris Kotoye. D'accord. D'accord. Merci. Député. Mkon wèm te gen chans petèt anpil nan moun la ou pa gen tan wè wè Samdou la tragédie du wa Christophe wè Samdou la koto gen de bon akteur kap ay m gen chans wè Sito Kavé tout non denye piès teat non denye mise en scène oh ki sa 3 minutes oui maintenant oui m'ap vini non seul ou trouver la parler du théâtre et puis kounya la dernièrement là nan festival nan festival 4 chemins et fou disait théâtre te mette de bon nèg wè Samdou la mon cher monsieur action de parler la talè a j'ai l'impression que tu es un bon metteur en scène. Un monsieur qui t'a parlé là, tu as parlé monsieur. Le PM, la passion, l'ex-PM. J'ai l'impression que ce n'est pas avec des mouns PM qui t'a parlé, mais c'est avec des divinités, des lois, de l'esprit. Nous, nous demandons pour l'esprit, on boit de l'eau, on boit un bal blanc. On prend jeter de l'eau. Non, même pas tolérer pour menacer la culture populaire. Non, écoutez. Non, écoutez. On peut faire ça. Ou en profondeur, mon baillot. Ou en là. N'après les lois, parce que le baillot enragé, c'est ça. Bon. C'est pour me dire que nos situations comme ça, mes amis, pour nous, mon premier ministre qui débarque sur son chaîne de télévision avec Baïsa, ouf, bah là, ça sont un. Deuxième bagaille, Guichard dit là, qui est très dangereux, Guichard. Ou qu'on est très dangereux. Si moi-même, moi, président de la République, moi, vini, non, économie, moi, j'ai trois faux poteaux. Dans cinq poteaux, j'ai trois faux là-dedans. Ministre, son faux poteau parce qu'il parle à vita maintenant. Les pots sont forts. Si la porte de bagarre est vraie, mes amis, je ne suis pas capable de prévoquer l'aile. C'est même Jean-Babdou, en dehors. Ou qui doit faire un jour? Même Vénégal, qui doit faire un jour? Tant que je fais bouillon patate avec l'âme et puis arancel, etc. Et puis, quand on est qui vient, il ne va pas tout le bagarre, il vient à Amazon Belle pour le mettre dans le chaudière. Je comprends que
Même si moi chaudième nan gros, mais à un certain moment, les nèg la retire mazon bel li a. Ouais, son nan chaudième n'a tourné à l'état initial. Donc ni ministre ni ça monsieur Texique là tout à l'heure, ONG, ni un troisième poteau te bay qui c'est Petro Caribé. Oui. Faut d'accord que c'est des faux poteaux et là moi d'accord foncièrement avec Bono pour dire que ou pas capable à fonctionner économie dans l'imaginaire. Oui. Cela veut dire quoi? Ministre là, nous te moukoum quoi nous? Ouais, ça nous comprend que n'a veut ministre comme li pote emploi, comme li pote ONG pote bagay. Donc bay sauté tout la net. C'est pas fini quoi. Maintenant deux trois. C'est pas samedi. Maintenant sous parler de Petro Caribé, sous parler de Petro Caribé, nous d'accord que on pas parler dans qui est-ce qui vole qui est-ce qui pas vole, mais de toute façon, si on l'argent que tu dépenses là, faut d'awel. À la rigueur que nous parler l'argent. Est-ce qu'elle vole ou est-ce qu'elle vole utilisé, nous pas connait. Ouais ça me doule. Longtemps l'était petit gain de blague, tu compte bail, l'argent tombé le fait monnaie. On dirait que Petro Caribé l'argent tombé, il li fond. OK? Bon, de toute façon, ouais ça le fait. Pour pas rentrer dans dynamique qui a gain volé ou pas volé. Mais de toute façon, l'argent a été volé. Mais attention, écoutez, l'on évoque ça, encore que pas oublier que nous avons deux gouvernements, tête calée numéro 1, tête calée numéro 2. L'on dit comme si nous avons le président Jovenel Vini, joue une économie. Hein. Donc cela veut dire quoi? C'est d'accord que. Là, nous faisons garder, c'est un, mais deux, là, un bon problème, là. Faut qu'il y ait des questions pour répondre, oui. Elles sont bonnes. Non, le cas, est-ce que le bacadou entre le 1 et le 2, il y a eu zéro, quoi? Donc, bon, pour nous, là, moi, je vais faire mathématiques. Et politique, zéro n'est pas rien. Pour nous, oui. En mathématiques, non, non, pas faire ça. Mais de toute façon, si Guichardo aurait expliqué que le président Jovenel, qui vient remplacer le président Martelly, 1, ouais, lui-même, l'individu avec tête calée 2, il y a une économie, il y a un problème. Donc, cela veut dire qu'il faut nous faire procès. Tête calée 1. Ça, c'est on deuxième bagage. Maintenant, l'autre bagage où on s'est fourré dans la qui ont dérangé nous et doré, moi, je suis convaincu. Caravane, nous habituons avec ça, où est la caravane. La caravane dépasse. Parce que écoutez, moi je suis de l'Antibonite comme Doré d'ailleurs. Nous sommes de Verrette, Viancourt d'ailleurs. Mes amis, je dis là, c'est que l'on parle de caravane dans l'Antibonite, c'est. Comprenez ou pas capable de faire ça? Moi pas mettre en doute volonté président pour te faire bagaille. Bah, j'en mettais ça. Parce que, rappelez-vous que, dans la première intervention que tu fais là, tu te dis que, un président, ce qui est normal, il faut qu'il y ait des folies, il faut qu'il y ait des chimères, il faut qu'il y ait des rêves. OK? Mais, rêve, ça, il n'est pas capable de sortir dans le calbas là. Nous d'accord que, question, et équipement qui monte dans la direction de la contact, c'est une bonne chose. Ça a non, Guichard dit ou reconnaître que au niveau des départements. Qui t'aime dit ça, Mabdia? On a une information pour l'opinion. On a une information. Parce que, comme on dit, depuis estimé, gon barrage, depuis le président estimé, gon barrage qu'a fait la Marion dans le nord-est pour irriguer plus de 12 000 hectares. Depuis, on a tourné le dos au bon sens dans ce pays depuis quelques temps. C'est ce que fait la caravane. Comme on dit, il ne passe pas, il passe. Actuellement, là, il n'y a pas la voie là. Il y a un barrage qui a fait là pour porter de l'eau dans 12 000 hectares. Monsieur dit d'accord. Non, il dit trépassé. Si il trépassé, il mourit. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Mais ok. Non, on corrige son dire. Non, il faut corriger. D'accord, merci. Mais qui piège? Je corrige ça. Maintenant qui piège et gouvernement prend. Et le gouvernement voulait prendre nous dans le piège. Je vais vous dire, pays
Haïti son pays qui fait un accident grave. Comme si m'dadou ou pas même grand en évidence dans qui comme si m'dadou qui machine ou du moins qui appareil qui fait accident. Ou pas dire si c'est avion, si c'est machine, si c'est bâtiment, de toute façon nous sortons nous accident grave. Donc toute gravité ça, l'on prend train dans l'hôpital c'est dans urgence soin. C'est là qu'on a comme si m'dadou ou fin garder si c'est tête qui crase, si c'est pied qui crase, si c'est orteils qui chire, si c'est jette pété, c'est là ça va rendre noir d'évidence dans qui spécificité médicale pour la maladie. Ça veut dire pays attendez, pays a non état d'urgence. Donc cela veut dire quoi? Même lorsque le président tape fond bagaille dans caravane, non, gien paquet lok secteur qui râler le descend. Député, mon grand urgence moi même. Urgence moi c'est que faut un petit pause. M'a tourné pour nous parler de ça nous t'a causé tout à l'heure. On suit forum et invité nous jeudi à c'est député Vicente Zerilus qui t'a intervenu dans dernier partie là et Guichard Doré qui c'est conseiller président et puis nous gain ensemble avec nous un journaliste Samba Vieil de près de 30 ans de carrière qui c'est analyste Le Moine Bono qui a causé ensemble avec nous et nos réflexions nous poser d'être nos questions nous dit quelles leçons tirer des émeutes des 6 et 7 juillet 2018 et c'est ça nous invite au fait bon, par qu'une bataille qu'on gagne là son bon haïtien chita n'a pas gardé pour nous ouais difficulté gagner parce que bateau 6 7 juillet a été capoté nous tout aller donc c'est pour ça nous invite intervenir dans ça et tout le monde qui là vient causer ensemble avec nous pour poser des questions on va le passer dans la deuxième partie émission forum là n'a pas tourné tout à l'heure. Yon sénateur, yon député, faut nous faire débat sous ça. Tout là, ap grimpé, la misère gagnée. Ensemble, nous devons réfléchir sous ça. Pour qui ça problème courant, arrêter un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici. Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio Télévision Caraïbe. Restez branchés. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforme en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Votre les bons bois prêts, venez chercher. On boit notre lait bon goût tous les jours quand on rentre de l'école. Parce que ma santé, je l'aime. Quand je bois mon verre de lait bon goût, ça m'aide à me concentrer plus sur mes devoirs. Maman dit que c'est parce que le lait bon goût contient des acides gras essentiels au bon développement du cerveau. Ma compte ça acide gras moi. Seul bah elle me connaît, c'est que le lait bon goût bon en bouche moi. Et puis il bah un pile force pour me bah un pile goal le match de football. Blackstone, c'est plaisir, partagé. Vous voulez être une femme différente? Une femme originale? Une femme en or? Faites comme moi, choisissez Gold Skin. Ce que j'aime, c'est prendre soin de ma peau. Pour son éclat et sa fermeté, j'ai choisi Gold Skin à la bave d'escargot, nourrit ma peau, la tonifie et l'aide à rajeunir. Et ça, tout le monde le voit. Gold Skin pour les femmes précieuses. Existe aussi à l'huile d'argan. Sivop. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que là, on perd ça au fin payé, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec le data. C'est celle du sel qui va rollover illimité sur data avec limite. En écrit, nous voulons prendre gros loa avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin payé. Pas jamais se perdre encore.
Al sous application MyDigicel la coulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh. A fait nous la main. Qui m'a dit ça? Fais racheter lui. Du courant pour vous. C'est pas machine notre bateau, c'est batterie. LTH, achetez-la. LTH, batterie qui peut durer, distribuée en Haïti par Accra Tires. Construire n'est pas jamais facile. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Pour le mettre au pied à l'aise, il faut construire un plus gros magasin là sous Delma. Quand il y a tout le monde qui descend pour faire, il faut attendre de nous voir ce qu'il y a. Ou pas besoin de courir ou bien perdre que l'autre côté fermé. Parce que dans un nouveau magasin, il faut qu'il y a un gros magasin, on va besoin tout le matériel ou besoin pour chantier. Ce n'est pas seulement l'espace nouveau qui est en train de mais il y a surtout bon outil de qualité avec un service clientèle supérieur. Tout client, ingénieur, contremaître, boss maçon, abjeune planche, plywood, bois, tout soit besoin pour électricité, plomberie, appareil sanitaire, luminaire, petit et latrier. Passez où nous dans nous voyons bouquin cala. Ou tout soit y'a tout soit besoin pour construction caillou. Ibo Kekai, angle Delma 29 et autour de Delma, téléphone 28 13 05 85. Pour l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons l'esprit sainte. Avec nous gagnons l'espoir, je y'en t'y comme je t'y a. Demain à l'éve goloa. L'esprit sainte, c'est bête pour l'état. Chata. Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Vous voulez gingembre là? Kaide ou? Oui, pas de cash. Posez frère, mon agent autorisé Soje Easy là. Ouvrez compte Soje Easy Paola dans ce qui s'appelle Soje Bank qui pibre ou là. Passez katou, mettez emprunt tout.
et puis taper quantité quoi vous besoin en bon badge quoi vous nan meon easy easy soje easy soje easy easy soje bon badan yon nouveau service hey, hey. Servi à compter pas une soje easy pour la vie ou plus facile will oui, easy hey, hey. Ouvri compte ou cherche qu'on est ou pas retaillé ak soje easy transaction à fait plus simple plus rapide t'es prêt à sécurité soje easy. Soje Easy, yon compte express Soje Bank pour la vie ou pi facile. Merci belle ti maman chérie, si chérie. Bonne journée. Wesman chérie, ki kote ou sere kob ou ale kile? Mwen men ma kome, mpa kembe pil cash sou mwen anko. Mwen mette tout kob mwen sou ti kat Unibank tout kote sa. Et puis se avèl m regle tout a fèm. Comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvrir qu'un Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, mais pensez ça peut demain pile. Ma commère, pas perdre du temps. Parce que ouais, moi même journée jeudi, moi j'ai en quatre mille gens avec n'importe l'autre client Unibank. Seulement, c'est déjà là contentement. Qui même baye gros problème santé, pas vend ti moun produit ça. Merci n'ap suivi forum et dans forum ça nous gagnen le moine Bono, journaliste qui travaille dans journal Le Nouvelliste, analyste le moine Bono qui souvent écrit éditorial, nous gagnen ancien député Viken Zerilus, député de Verette. Je suis avocat normalien. Et puis, nous gagnons conseiller et président républicain, Guichard Doré, qui est ensemble avec nous, qui sont socio-économistes. Bien dit, non? Oui. C'est bien tombé. Aussi. Mais tout à l'heure, on a parlé en anti-caspi précis, parce qu'on a dit que pas de gain cob. Comment expliquer sur le plan chiffre, ça veut dire pas de gain cob? Oui, parce que ça arrive, et remplir le gouvernement qui vient à dire, ah, pas de gain cob. Bon, oui. Écoutez, on connaît l'économie haïtienne, bon, depuis quelques temps, les finances publiques, il y a un petit problème depuis quelques temps. Bon, ça me dit, c'est que
c'est sous la douane, la DGI, et malgré l'effort qu'a fait pour lutter contre la contrebande. Parce qu'au cours de ces 15 dernières années, il y a une transition qui fait. Au contraire, pour bah, passer dans le port, pour prendre ça, grand pile, marchandises qui passaient par la frontière. Mm-hmm. Ces zones, non, oui, oui. Donc, ça me dit la frontière. À peu près, par exemple, au niveau de la frontière. Bon, il y a des gens qui pensaient gagner autour de 400 millions de dollars de pertes annuelles. Bon dollar. Oui, oui, bon dollar. Bon, même si autre jour, il y a une réunion de Nampalais, il y a des anciens responsables de la douane qui estimaient que ce chiffre ça est un peu trop élevé, ce n'est pas tout ça. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne, il y a des millions de dollars à perdre sur la frontière là chaque année. Est-ce que vous connaissez que vous avez un paquet de gens souvent et vous pensez que, ah, tant que vous avez un cobre là sur Gaza pour que ça ne bagoume, par exemple, sur 400 millions, vous avez un pour gagner sur la frontière? Eh bien, oui, il y a un travail qui a fait depuis quelques temps avec une compagnie pour essayer de comment on a gagné des équipements technologiques sophistiqués pour faire en surveillance aérienne dans la zone frontalière là, mais jusqu'à présent, beaucoup fin arrivé parce que je crois que jusqu'à présent, les négociations ont beaucoup abouti. Mais ceci étant dit, malgré que tu as eu quelques semaines, tu as eu des descentes qui étaient faites à travers le ministère de commerce et la direction générale de la douane sur la frontière. Mais ça n'a pas comporté le résultat que nous besoin. Mais même pas là pour venir, est-ce que c'est la douane? Le fait que c'est sous la douane, c'est non maîtrisé. C'est-à-dire que l'économie pays n'a pas marché. Et parce que quand on a une économie, c'est DGI, recette DGI qui est supposée plus élevée. Parce que la fonction économique de la douane, ce n'est pas pour apporter l'argent, c'est protéger la production nationale. Également protéger au niveau sécuritaire du pays, également au niveau sanitaire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des taxes, ou mettre des taxes, c'est pour empêcher, ou mettre des tarifs pour protéger la production nationale. Sur le plan économique, c'est ça. Bon, jusqu'à présent, en Haïti, nous entrons dans la logique. Maintenant, moi-même, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que faire tout ça possible pour. Ce que fait le gouvernement actuellement, c'est les infrastructures de soutien à la production économique, qui a passé, fait des routes, fait canaux d'irrigation, etc. Et également améliorer l'environnement des affaires, même si je suis d'accord avec l'événement, ça nous prend beaucoup sur l'environnement des affaires en Haïti, peut-être une régression de 20 ans. Parce que dans le tourisme, le ministre, en fait, l'actuel ministre du tourisme fait beaucoup d'efforts pour attirer des investissements directs étrangers dans le secteur du tourisme, des multinationales qui intéressent. Il y a un projet 2020 dans la grande zone nord, la région nord, qui me pensait son zone prometteur pour Haïti dans les années à venir. Mais écoutez, investisseur au Cap, c'est un peu réticent par rapport à l'événement. Parce que nous un pays qui est stable, instable, chaque temps, par exemple, on est pour lever campé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la logique économique voudrait que les Haïtiens aient le sens de l'économie. C'est ce que vous pensez que le pays a gagné des ressources extrêmement limité. On doit faire tout ce qui est possible pour améliorer notre environnement des affaires et attirer les investissements. Parce que c'est quand même agir là ça. C'est stabilité pour nous gagner. C'est vrai que il y a des pays, il y a des choix qu'on n'arrive pas à faire en Haïti. Vous remarquez la Chine, il y a 50 ans, c'est ça, ils étaient dans une situation d'extrême pauvreté. Ils ont fait des choix. Même pas quoi gagner développement économique sans pas gagner un sacrifice au niveau générationnel. Je parle en tant que socio-économiste qui étudie l'évolution des nations du point de vue économique. Même aux États-Unis, pareil. En France, c'est pareil. En Angleterre, pareil. Il y a toujours un effort à faire. Maintenant, dans 25 ans, 30 ans, on va voir. D'ailleurs, pour développer un pays, au moins, il faut consolider deux cycles générationnels, 50 ans. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une situation un peu difficile. Pour nous avancer, il faudrait qu'il y ait un minimum de stabilité. C'est vrai que le gouvernement va faire tout ce qui est possible pour calmer, c'est-à-dire pour le président l'a annoncé. Le gouvernement l'a annoncé pour des projets sociaux. Mais projets sociaux, il n'y a pas suffisamment élevé parce que les ressources sont limitées. Donc, moi, je crois que c'est investissement qui va nous pour la prise de problème. Moi, après, peut-être tout ça me dit du tout de début. Nous avons des problèmes sociaux. La réponse est économique. La gestion est politique. La politique n'a pas qu'à résoudre tout le problème. La problème, c'est la superstructure. D'accord. Si l'infrastructure fait problème, à ce moment-là, il y a des problèmes. Mais nous avons des problèmes de capital en pays depuis l'indépendance. C'est toujours un problème. Lui, par exemple, la Chine. Oui. Lui, par exemple, l'autre pays. La Chine, lorsqu'elle est dans une situation très difficile, il y a déjà 50 ans, premier sacrifice, comment c'est fait? Ils mettent l'ordre dans l'État. Ils mettent l'ordre dans des dépenses publiques. Lorsqu'on a l'État en Haïti, on va vivre au-dessus de moyens pauvres. L'on arrête calme qu'on y a, on accepte nos budgets, on va payer des députés, on va payer sénateurs, toute l'agence, le ministre va toucher tout comme ça. Et dépenses folles, budget par les nationales. Ou pour mettre l'ordre dans ça. Environnement économique. Il faut commencer par vous-même d'abord. Le man Bono, Guichard Doré, ma vie de député. La première chose que le président Jovenel dérive le roi à l'époque, pas même qu'aucun gouvernement, sont arrêtés sous le train de vie de l'État. Je suis contre ce palais national. Moi-même, quand je parle là, je n'ai pas de gaz pour plus qu'une semaine. Et puis, je suis dans le palais national. Monsieur.
Non, moi-même, quand je parle avant là, mon salaire il réduit de plus de 40% depuis le président arrivé. Ma bonne information, ce n'est pas vrai. Donc, je ne parle pas pour les autres administrations, je parle pour les disciplines qui ont fait au palais national depuis le président arrivé. Elle dit qu'elle va réduire toujours. Tout à l'heure. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que le problème, c'est que ou pas gain suffisamment de ressources. Il y a une explosion des demandes sociales. Et les ressources de plus en plus, il y a diminué. Maintenant, c'est la tendance, ce que fait le gouvernement. C'est pourquoi que le gouvernement, malgré que nous connaissons des difficultés, on fait des efforts dans les villes de province. Parce que c'est par rapport au point seulement qu'on cap mettre bagage. Par rapport au besoin des entreprises, par exemple, une négociation qui t'a fait difficile sur le salaire minimum avec une grande entreprise, la dossier a été fait puisque. Parce que 10 mois bloqués dans l'institution qui pour bal passer, dans l'institution de contrôle, pour te gagner 10 000 emplois créés dans la zone industrielle, dans le parc industriel, là, pour créer emploi. Donc, quand vous avez des goulots, des impasses institutionnelles, faudrait-il qu'on nous regarde nos yeux dans les yeux en Haïti, est-ce que nous avons les institutions qu'il faut pour faire le travail que le pays a besoin? C'est ça la réalité, tout à l'heure. Maintenant, c'est pourquoi que moi, je pense que pas seulement faire des grands discours. Non, mais écoutez, moi, je suis professeur, malheureusement, c'est mon métier. Son débat, donc, je donne des explications. Non, moi, je dis qu'il n'y a pas de développement sans sacrifice. C'est juste d'accord. C'est pourquoi que dans le discours du président de la République, il m'a dit qu'il va y avoir des coupes budgétaires partout, dans tous les services. Et peut-être, crise a révélé la crise. Ah oui, non, mais c'était Didi. Il va y avoir des coupes budgétaires, des dépenses non essentielles, oui. Et peut-être la crise, comme vous avez parlé, quelles leçons tirées de la crise? Je me suis dit que c'est ça de mettre accent. Il y en a un bagage, c'est sur le budget de la République. Il faut reformater le budget de la République. Merci, Guichard. Ou d'un bagage qui est important là, il faut reformater le budget de la République. Député. Il faut amener, ça dit que nous tendons, monsieur. On a perdu du temps, on va continuer. Mais bon, nous avons fait si il a envie de parler. Oui, évidemment, parce que Guichard, sous pas cédré, il va parler là. Allez, là. Où est-ce que ça a passé l'autre jour là? 6-7. Si nous continuons à aborder de façon cosmétique, Jean-Wé, Guichard a pris ça. Pas fait ça. 21-22 à Pire. Ça, il est 21-22. Donc, c'est bon, je ne parle pas de date, mais 18-19 à Pire. Sous on a essayé de garder de manière cosmétique. Et Romel, nous devons dire tête, nous, bagaille. Gros bagaille qui produit événement ça, malheureusement, pour le président Jovenel, c'est lui qui l'a. Il faut être dans le peuple avec. Jacques Guy Lafontaine, peuple a montré que à n'importe qui moment capable de problème Guichard capable attendez non capable de problème qui t'a fini problème yo moi d'accord avec vous dans mon belle phrase et problème nan li social ouais ça me doulan et qui en solution économique ça me doulan et gestion li politique li fait rappeler monsieur rappeler mon monde là dans pas la cause ça la parler ouais ça monsieur rappeler mon monde. Le problème est social, la gestion, voyez-vous, n'est-ce pas, comprenez bien, est économique. Monsieur, rappelez-moi. Mais cependant, Romel, jodi à la, côté caravane, comment c'est à la Tibonite? Pas de l'eau dans le canal, nous en juillet, ratap manger jardin moun yo, l'école pral ouvre en septembre, qui sa moun yo pral ven pour ouvrir moun yo l'école, mais après moun connaît. Moi-même, maman, relève dans le téléphone pour le dire, week-end, moi plante un petit poids qu'on go cano, la pluie pas tombée, poids qu'on go a pas levé. C'est maman qui dit ça. Combien d'autres maman qui dans la même situation? Est-ce que ça me dit là? Donc, événement qui passe 6-7 janvier, pour avoir des conséquences sous pays, dans le monde capable de ramasser ça. Moi, bien content d'annoncer question coupe budgétaire.
avant même nous t'arriver dans question Monte Gaza. Donc il va on discute monsieur moi attendez. Écoutez, moi j'ai quoi l'impression que c'est par là qu'il fallait commencer. Jean Bonodia c'est poisson il commence pourri dans tête. Donc ça dit que si effectivement on prend aller des mesures drastiques pour comme si on t'a dit pour dire OK, n'a bouche frontière pour mettre l'ordre. Pour mettre l'ordre, l'ordre là c'est l'ivini, il doit venir d'abord dans haut. Ouais. Il doit venir pour l'homme on a regardé on dit ah, mais qui comportement président, mais qui comportement premier ministre, etc. nous même faut ranger quoi nous parce que la politique d'abord, c'est perception. Donc ça dit là c'est pas une fatalité. Non, absolument. On peut corriger ça. La politique, c'est perception. Donc, automatiquement, population, foule la peuple, il y a une perception que pas grand-chose qu'à régler. C'est l'argent qui a volé. On prend un pile temps pour retirer ça dans la perception. On grine les gens pour retirer, c'est venu avec des mesures concrètes. Si le président coupe 40% dans le salaire, que demain matin, il publie Kay Bono, mais qui j'en va l'été en 2015, mais qui j'en va l'été en 2016, jodi on a commencé à faire des efforts, mais qui j'en lié, Wassam Doulan, mais qui ça nous gagne comme résultat, est-ce Wassam Doulan? Et résultat ça, mais qui côté n'a voyel, mais qui côté nous va faire l'école, mais qui côté n'a pour me faire Guichard, pour me d'accord Guichard, mais qui côté n'a améliorer environnement d'affaires là. Est-ce qu'on m'entend là? Mais toutes les fois que c'est Guichard, notre forum, qui vient parler de ça. Eh, citoyen, non. Écoute, non, c'est pas même. C'est pas non, mais okay. Vous avez été reçu comme un roi quand même. Oui, il a été reçu comme un roi. Écoutez, alors qui s'appelle dans ce forum, non? C'est par rapport avec. Donc, député, vous enlevez ça, non? Très enlevé. Enlevé. Bravo, vous député. Enlevé. Merci. Jeter. Voilà. Voilà. Maintenant. Là, par exemple, où invite Guichard, non tribune comme ça, et c'est là, la vini, exiqué la raye, coup budgétaire, 40% salaire, ligue seulement et gaz pour le vivre pendant semaine. Mais attendez, ça pour dire, c'est pas nous, avion, Michel, véhiculé, ça va nous gaz, Michel, pendant semaine. Si son avion, le moine bonheur. Merci, député. Moi-même, comprendre, et que nous sommes un pays pauvre, qui a très peu de ressources. Nous ne pouvons jamais jouer une voie économique là. Pas jamais le gouvernement, jamais se dit la ville, un programme économique qui cache tard avec le secteur privé. Là. De temps en temps, vous dites qui ça l'a fait dans tel domaine? Qui ça l'a fait dans tel domaine? Mais que moi, il m'a crié, regarde ça, on va le dire, et que oh, vraiment, oh, mon cher pays, il n'y a pas l'avancer. Mais premier bail pour commencer à faire ça, on met l'ordre dans l'État. Un petit exemple simple, mes amis. Moi-même, je travaille dans le Parlement. De 1995 à 2000, des chefs cabinet président Sénat. Ils ont avec un ensemble d'allocations que ont été des parlementaires, sénateurs et députés. Pour frais de deuxième résidence, ils ont été chaque sénateur 50 000 goudes l'an. Ils ont monté jusqu'à 100, 150 000 goudes l'an. Je dis à là, pour un bon député, pour un bon sénateur, 250 000 goudes chaque mois. Comme frère de deuxième résidence. Bon, ça plus grave là qu'on a entendu que le président Sénat lui-même. Non seulement il y a ça, 250 000 gouttes par mois comme frère de deuxième résidence, maintenant il a besoin de l'autre résidence encore parce que c'est le deuxième personnage politique qui est dans le pays. Il n'est pas qu'à loger n'importe côté, il n'est pas qu'à n'importe quoi. Il est obligé de faire un contrat pour payer 7,2 millions, mes amis, de gouttes pour 8 mois. Ça veut dire que lorsqu'on dit mon président, tu carburant, baguette carburant, ça va représenter un rien par rapport à toutes tes dépenses. Lorsque ça sortit, et que tu as tout privé, moi, je ne comprends pas d'accord pour un sénateur, un député qui a un privilège. Je suis d'accord pour un ministre qui a un privilège. Mais, mes amis, ça, ce n'est pas privilège encore, non? Ça, c'est comme tu as dit, c'est budget pays. On dit, je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur général, je ne suis pas chef cabinet président, je ne suis pas conseiller président. Tout y a toutes sortes d'allocations. Donc, on parle de là qui concernait le Parlement. Non, ce n'est pas le Parlement seulement. Okay. M'dou, lorsque on vient avec le projet, tout ministre a accepté. Bon, c'est normal. Pour bon, un sénateur qui gagne 50 000 gouttes par an comme frais de deuxième résidence. Parce que leur estime que le sénateur saute dans le pays. Il fait rentrer pour tout le presse. Pas de gros salaire à l'époque. Un sénateur, c'était 35 000 gouttes qu'on touchait en 1995 à 2000. 35 000 gouttes, bruit,
Là, on tire tout frais le vinyle, 24 500 gouttes. Et ça, on est dans la tête qu'on touche, oui. De 95 à 2000. C'est sous le président Aristide, on vient une petite augmentation. Maintenant qu'on y a, c'est comme d'adjou que tout le monde a le député, sénateur, ministre. Oh, ou dit, premier bail, de vous paraître, ton président paraître ça, pour jouer tout. Et ceci, c'est pas année ça, non? M'baptise, c'est pas sous président Jovenel, l'on monte comme ça. Mais il vient jouer, et puis il accepte, et puis tout le monde la donne. Tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Et puis quand on a un député là, donc ça, excusez-moi, vous mettez le tacou, on le sent tout pour nous apprendre. Le sac passé, on dit. Ça a commencé, pillage pays a commencé dans ce sens ça, dans le budget 2012-2013 sous Matéli. Pillage ça a commencé. C'est vrai que c'est le Sénat qui commence à pillage ça. Le Sénat a commencé, il prépare un budget, et puis il met à location. Et puis laisse ça, tout le ministre dit, oh, pour sénateur, il y a toute allocation, il y a un frais de deuxième résidence qui est 250 000 gouttes, il y a un tel frais. Tout. Et puis, quand il y a là, tout ministre, il y a tout type de frais. Et quand il y a les grands corps de l'État en général, il y a presque toute allocation. Excusez-moi, en d'autres termes. Bon, mon minute, je finis. Bon, oui. Mon minute, je finis. Or, où vient tout voir nos situations qu'on y a? Égal, chaque fois, à budget, à l'État, on te dit, oui, il y a. Ou à demander. On a plus budgétaire et vous avez gaspillé comme ça. Vous avez gaspillé comme ça. Le bon bono. En d'autres termes, nous disons. Et puis, quand on a dit au président, oui, depuis qu'il était monté, il était dit, oui, il faut qu'il y ait un coup budgétaire, il était, oui, il n'y a pas de gasoline. Mes amis, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas quatre téléphones en gasoline. On garde tout privilège que tout le monde a gagné. 119 députés, 29, 30 sénateurs. Et combien? 18 ministres ou 17 ministres, secrétaire d'État, directeur général et les autres grands corps de l'État. Nous avons un ensemble de privilèges que nous n'avons qu'un pays pauvre pour ne pas faire ça, non? C'est un pays riche où tu as fait ça seulement. Bon, bon, non, tu parles. Non, le président du Marseille estimé. Comme j'ai piqué parlement. Il piqué parlement. Quand tu parles. Avant, nous venons dire, du Marseille, c'est pas tout. Comprends? Parlement, c'est pas, mais du Marseille, c'est pas tout. Mais député, on va prendre un job moins qu'on y a. Parce que c'est où qu'on dit, monsieur Piqué Parlement, c'est moi qui t'a dit ça. Parce que, on va dire, mais c'est moi qui t'a dit. Mais ça me dit, monsieur, moi qui t'a dit. Oui. Alors, ça me t'a pas dit, c'est que sous-président du Marseille estimé, nous avons dit qu'ils sont au niveau très haut dans l'expérience républicaine dans le pays. Et nous avons 6 secrétaires d'État. 6 secrétaires d'État qui ont santé, défense, éducation nationale, donc à aider moins, travaux publics et les autres. Économie. Le tourisme, on n'a pas les jours dit à nous mettre dans le niveau ministère, c'est son bureau du tourisme. Et, on regarde bien. Ça, tout nous ne prenons pas comme leçon. Ah, c'est. Il y a des gens qui disent, ah, il y a trois ministères. Ah, c'est tellement. Bon, bon, nous t'a doué, je dis à penser oui, à moins ce ministère, et pour qui ça, ou un sport, bon, éducation nationale de l'autre côté, tandis que. Tant qu'on a parlé de plus bagaille, c'est comme en psychologie. Tant qu'on a parlé de on bagaille trop, c'est que gen manquant. Non, on vient de proverbe. C'est qui dit trop vient gâter gombo. Oui. Nous avons cas ça. Oui. Gen trop ministère, effectivement. Mais Guichard, patientez. Je vais vous dire. Rapide. Par rapport à Parlement, on va réagir. Non, je ne dis pas par rapport à Parlement. Son bail, je réclame. C'est vrai que Bono a raison dans certains sens. Là, je dis dans certains sens, dans le sens que, comme je disais, effectivement, ou pas qu'à papa dans la caille là, ou acheter boîte lettre là, ou on va nous marier souci, ou faire figure bien dit, pour dire, ouais, boîte lettre ça, on va acheter là, on va le faire 3 mois. Et puis chaque soir, on rentre sous. Vous comprenez ça, nous là, clairement, quand on va boire, on va sous, à quoi de venir. Comprenez? Donc, vous comprenez ça? Hein? Donc, ou pas qu'à acheter 2 boîtes lettres ou mettre dans la caille là, ou dire, ah, là, c'est pour 6 mois. Et puis, ou c'est maman dans la caille là, et pour jouer bon lettre, parce que qui ça? Est-ce qu'on prend? Pas fort bon dans lettre, Simon, tout. Non, je comprends. Bon, non, je comprends. C'est-à-dire que, fort maman, tu as commencé, moi je jouer bon lettre. Oui. Comprends? Les boules, les passions. Mon minimum discipline. Mon minimum. Papa, comprends que non, moi, les 40 fois, mon papa, sous chaque soir, et pour abdi Simon, lettre là pour 6 mois. Je comprends ça. Très bien. Maintenant, de 35 000 gouttes en 95 à 121 000 gouttes en 2018, il faut regarder comme Simdadou qui ça veut dire en termes de panier de la ménagère. Oui, oui, c'est okay? L'inflation. Faut aller vers ça tout. OK? Maintenant, à l'opposé, on va pas parler à l'opposé, on va parler parallèle avec réflexion monsieur. Parallèlement, faudrait-il bien que il y ait suffisamment de mouvance
social qui a fait rentrer sorti pour permettre que il y ait moins de pression qui arrive sur la personne du député, sur la personne du sénateur, qui pour faire que nèg la pas prend prétexte, la rapper l'argent. La rapper l'argent. Parce que citoyen va faire tout. Parce qu'il y a pression pas tout. Comprenez, prétexte que citoyen a pression pas tout. Moi-même, moi dois reconnaître, moi dois reconnaître que moi dois reconnaître que pour nous et question et voilà. De toute façon, l'État doit arriver à un certain niveau, m'baille, Guichard crédit ça, c'est bien avec Pam, m'baille crédit ça. L'État doit arriver à un certain niveau, comme si Ndadou, ou annoncer des mesures drastiques, mais il doit venir d'abord de l'État. Dame qui est président Kouat, là, m'a dit c'est blague, n'est-ce qu'il fait un pile ici sous question. Et WhatsApp, Facebook, m'ba konnen. Mais de toute façon, ça son bon faisait. Son bon faisait. C'est pour une fois, comme Zim Dadou, d'accord, faisait ça, vous faites sur madame, non? Qui président l'autre bois, il raconte que l'al nan macho, c'est Jacob nan poche, joul vin nan macho, c'est pas vous, yote vous, il dit système l'autre bois, pas paye, il joue ça, ou est-ce que vous l'ichita, même côté avec tout le monde dans l'avion, c'est pas parce que si l'avion crase, il a pourri tout, non? Mais, lui même, li bagay, c'est un cas en bon. C'est un cas un bon exemple. Austérité. C'est austérité. Cela veut dire quoi? Et Guicha, c'est pas dit pour venir dire ça là. Ou t'as souhaité ouais que bah il a commencé. Non, c'est pas même commencé. Formel. Ouais. C'est pas dit pour venir dire ça là. Formel. Excusez-moi. M'obliger couper nous pour me dire mandé public là pour applaudir nous pour première prestation. Bagan pile temps. Merci. Moun yo content. Là, bat bravo, on s'avise son bon forum. Hein, yo apprécié prestation tout moun ki la, Guichard Doré, député Vikenzerilus et journaliste Le Moine Bono. Et nous passons qu'un sujet comme ça, li extrêmement important pour société à cap suivre, hein, pour garder et pour ouais parce que nous pas carré sans honte. Nous croyons que tout moun moi ça m'attendait là c'est que parlement a posé question sous tête li hein et président ça pose question sous tête li et pouvoir judiciaire gain pour le poser question parle il y a pas ces misères pareil donc gain pour font forum sous bail ça juge cap prend camionnette n'est cap décider sous débat extrêmement important et l'autre jour il a raconté une histoire un juge femme qui montait la même machine à mesdames cap vendre mango pour diable madame est content mais danger c'est que vous imaginez un juge cap prend décision sous volo. Abi, l'entrée non station, nous connaissons sa station, vous l'avez dit ici. L'en a dit station, et puis j'ai la chita, beaucoup de mesdames, qui ont besoin de la machine, qui ont mené quelque part dans le pays, et qui ont décidé sous des sorts, c'est des bagages extrêmement importants. Donc ça a mené nous à questionner sous l'État. Ça t'appelle le taxi moto. Non, je vais finir avec une anecdote. Un juge qui pour taxi moto, le chita, gaz collé, regardez, doucement à bout avec les piles, les fin descendent. Là, regarde, elle dit, vous mettez à l'eau, pas besoin de payer, non? Eh, pour qui ça? Ou t'es jugé, moi? Ou t'es jugé, qui ça? Moi-même, t'es jugé, oui? Narcisse criminel et tel. Mais on pas condamné, non? Vous mettez à l'eau, pas besoin de payer. Merci. Oui, n'a pas dit, par rapport à deux. Rapidement. Sous nombre de ministères, effectivement, il faut les regrouper. Oui. Mais on a un problème constitutionnel. En Haïti, on a mis tout dans la constitution. Oui. Pas aucun pays où vous allez, vous allez dire c'est pas la loi ou créer ministère. Il faut toujours la latitude à un gouvernement pour réduire le nombre de ministères, pour l'adapter, pour bon expression institutionnelle à politique libre et mettre. Bon, malheureusement, en Haïti, c'est pas la loi. Donc, faudrait-il que nous modifions les textes, etc. Ensuite, sur le budget, moi, tu as dit que c'est effectivement, il va y avoir des coupes partout. Même tu as dit tout à l'heure, il faudrait probablement, si on a une leçon de la crise, parce qu'on crée un aspect pédagogique là-dedans, de voir tirer de leçons, d'essayer le titre même de l'émission, et pour nous voir comment que le budget traduit en vraie réalité. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que dans la réalité, le problème social qu'il y a dans les quartiers, surtout dans les quartiers populaires de la zone métropolitaine, il faut qu'il y ait des investissements. C'est vrai qu'il y a toujours des investissements dans le domaine qui parle préparer l'avenir, des équipements et tout ça. Mais de toute façon, il faut investir. Maintenant, quel est le coût minimal pour faire fonctionner les institutions démocratiques? C'est là le problème de corruption. On a parlé dans le ça, c'est l'autre question. Ouais. Quel est le coût minimal pour faire fonctionner les institutions démocratiques? Parce que non, mais, oh, non. Je dis à nous, non, pas dit non, après, non.
c'est là dit qu'on parlementaire comme député a dit, il y a pression sur lui tout. Ah oui, mais même qu'on a le parlement. Ah non, écoutez, oui, on connaît, il faut être oui. Oui, mais monsieur, maintenant monsieur, moi qui t'ai fait au bas de bravo pour nous parce que nous va le bail public là. OK. Et rapidement by Maître Gervais Charles qui assiste nous là rapide. Maître Gervais pas en pile long parce que c'est pas au invité là. Donc on va poser question rapide pour nous rejoindre Adelson Waltz rapide. Te merci. C'est le moine qui fait là. Le moine qui fait? C'est le moine de Bono qui fait là. Ah mat, bon? Et je dis, hein, ouais. Parce que nous t'ai communiqué et me dit que c'est le forum là. Bien content là, bien content apprendre de jeunes. C'est parmi les jeunes. Je n'ai pas de question, c'est véritablement parce que moi que. Et, question et ça passé c'est l'autre jour c'est pas lig débat là et que nous débattons toutes sortes de bagaille mais c'est un jeune qui sur réseaux sociaux qui débat en pile point sur ça passé hein? Et ces conclusions là qui est en tête moi je voulais partager avec vous mettez en place jeune qui a manifesté yo. Les dire que me pas dit me gain raison mais derrière ça me fait c'est qu'on raison donc ça montrait que pas gain rien qu'à marcher véritablement et pour moi même m'a fini sous point ça pour moi même pas gain rien qu'à jambe pareil après ça que passé ouais que c'est outil et bois caï manque saute fait reste là derrière. Son joffre le banon là. Ouais, c'est au petit bois caïman que ça te fait. Donc c'est ça m'dab dit. Merci. Donc gon raison derrière ça fait. Merci Maître Gervais Charles. Adelson Waltz, rapide pour nous s'il vous plaît. Adelson Waltz et puis Joseph Franklin. Adelson Waltz, Joseph Franklin. On va féliciter et forum et trois invités nous qui là. Et ça qui t'est passé 6 ou 7 juillet, t'es monté une phrase dans la tête. Côté que moi qui me dit, ce n'est pas rebelle qui crée le problème, plutôt c'est le problème qui crée le rebelle. C'est ça qui t'est monté dans la tête, lorsque l'action ça devine passer. Je viens de voir que tout le monde a une difficulté pour être capable de jouer un moyen de transport pour rentrer la caille. Ouais, ça que on doit tout bloquer là. Ça te bon, ça te fait vraiment pile l'aime te vinn ou bagay ça. Et question gay pour Guichard en tant que socio-économiste, conseiller président. Et m'a dit est-ce que pas gayon solution pour t'apporter dans budget économique pays a. M'vinn senti que et président pas un conseiller sur le plan économique. Pas ici que li vinn prendre décision. Nous venons avec eux à 24 heures, ils retournent sous décision. Ça me dit que conseiller pas fait travail. C'est ça me dit pour moi, d'aimer jeune réponse. Vous pouvez évoquer Guichard là dans le forum. Joseph Franklin, rapide pour nous, s'il vous plaît. Joseph Franklin, oui. N'a dit bonsoir avec monsieur Yo qui permet le forum dans le réalisé. Et pour vous dire, alors, et question pas maintenant, alors parmi eux, m'a présumé. Et comme monsieur Richard, alors Gallo Richard, était dit Haïti perdit un pile avantage. On a même posé monsieur Richard la question ça. Et qui est-ce qui est responsable? Et ça qu'il peut dire. Deuxième question que m'a aimé poser avec monsieur Richard. Et ça a quelque temps entend des caravanes dans l'ouest là et nous pouvons vivre là est-ce que vous avez banon petit éclaircissement sur ça merci d'accord merci on va nous passer à trois autres questions on a demandé nous monsieur rapidement et toucher question là pour nous bon entend des considérations moi partager même préoccupation avec Maître Gervais qui dit que c'est ça moi depuis moi la m'a défendre même si monde qui dans la rue pas gain raison mais derrière ça qui fait là gon paquet de raison et c'est ça pour nous chercher nous pas besoin de venir chercher petit ministre touriste cap dit non c'est raison qui derrière bagaille ça
et pour nous chercher comprendre et connaître. Et on après si nous travaillons raison ça yo et après bah comme ça va bien manifester. Et si nous continuer à prendre pour ces précipitations, Jean Remedy avait dit là ça c'est type point iceberg là que nous voilà. Roman Bono. On va avancer. On va avancer. Bagay opinion. Richard Roy. Donc qui rectification qu'a fait ce budget? Bon, merci pour la question. Donc moi crois que un, on t'a dit tout à l'heure que parce que on sent qu'il y a une certaine difficulté dans le fonctionnement des institutions. On a fait 86, mais n'oubliez que la démocratie a un coût. Et souvent, nous oublions ça. Parlement, c'est vrai qu'il y a gagné des exagérations. On a dit ça, mais le Parlement doit avoir un budget pour fonctionner. Et au niveau de la représentation politique, non seulement ils sont des élus, mais ils sont des représentants politiques dans la zone. Les parlent dans la zone, souvent, ils gagnent, nous connaissons la situation du pays. Moi, je ne viens pas là pour me shooter sur aucune institution. La démocratie a un coût, y compris la présidence, y compris l'appareil judiciaire. C'est pourquoi je pense que nous réflexion, et puis important, comme la crise, la monnaie, qui réflexion, quel est le coût minimum pour faire fonctionner nos institutions démocratiques. Sinon, nous avons un plaidoirie pour le retour à la dictature ou quelqu'un n'a pas besoin d'institution. C'est pour ça que nous avons fait 86. Les institutions démocratiques nous supposent renforcer, il faut qu'on coup. Donc, moi-même, je pense que gagner des dépenses qui étaient gagnées dans le budget de la République, probablement avec crise là, d'ailleurs, le président Mandessa, tout ça qui est non essentiel, il faut supprimer. Et puis, à ce moment-là, pour nous faire des investissements dans les programmes sociaux. Maintenant, il y a une bagaille tout. Je pense que la crise a révélé tout. Donc, pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui étaient souvent des diplômés, beaucoup de diplômes, etc., qui n'ont pas de travail. Donc, là encore, il y a des réflexions à faire. Moi, je connais que il y a des groupes qui ont commencé à travailler sur ça. Donc, il faut avoir un budget qui reflète ressources, non? Parce que malgré tout ça, on a dit que nous avons toujours un budget qui gagne 200 milliards de gouttes, mais ça ne sert à rien si nous mettons une nouvelle loi, nous n'avons pas de ressources pour lui. Faudrait-il que gagne une activité dans l'économie pour l'État qui a fait prélèvement. Parce que la fonctionnalité de l'État, c'est prélever des impôts. Mais pour prélever des impôts, il faut qu'il y ait les gens qui travaillent, les gens qui payent des impôts. Donc, moi, je crois que c'est pourquoi que toute la logique économique qui sort de l'ouvert, il faut qu'il y ait des investissements. L'État continue à faire des investissements dans les infrastructures de soutien à l'activité économique, font effort pour améliorer l'environnement des affaires, pour nous attirer des investissements directs étrangers dans le pays, parce que le capital national à lui seul n'est pas suffisant. Maintenant, avantage, qui monde qui gagne avantage, c'est Haïti perdu, qui monde qui gagne avantage dans ça, qui monde qui responsable, bon, de toute façon, comme son situation, on cap dit le gouvernement, parce que je ne vais pas là pour me dédouaner personne. Hein? Mais maintenant, écoutez, il y avait une décision. Maintenant, ce que vous avez dit, quand tu es politique, quand tu fais de la politique, tu prends pas. Il faut qu'il y ait des décisions. Ce n'est pas toutes décisions qu'on prend, il y a toujours accepté. Parce que la démocratie d'Allemand tout m'a dit que c'est la lutte contre l'immobilisme. L'immobilisme en politique, c'est pas quelque chose qui pituatoire de l'œuvre politique. Donc maintenant, il faut prendre des décisions, car toujours il y a des contestations. Moi, ce que je peux dire, que la contestation, il se mesure au degré de la non-soumission. Une fois que la population l'hypothèse, le gouvernement fait bac. Maintenant, il fait bac, mais ça ne veut dire autant qu'en tant que citoyen, il faut nous réalité. Parce que Gaza, contrairement à ça, on a dit, il y a voué d'autres manger le papier là, n'a pas fait ici, n'a payé le jour d'hier, pris 47 dollars, le gouvernement va acheter à 75 dollars, puisque 72 dollars. C'est le bon sens qui était. Maintenant, la décision a été prise, c'est pour éviter rupture de stock. Parce que c'est très important. Parce que au-delà, tout ça n'a pas dit, il y a une leçon pour nous tirer. Maintenant, le fait que le gouvernement fait un retrait, personne ne va demander demain comment ça peut appeler. Est-ce que gagner faut pas le fait, ma coupe budgétaire, est-ce qu'on va d'accord pour nous financer gaz là avec lui ou bien pour nous manger, il va un jour à faire. Parce que de toute façon, il faut que nous gagnions sur le marché. Donc maintenant, troisième conséquence, c'est que est-ce que nous voulons tout pour l'État perdre capacité d'administration des prix des produits pétroliers sur le marché national. Si nous d'accord pour l'État perdre ça à ce moment-là, chaque fois nous parlons importer gaz, yo, même nous fait lit, et ce moment-là, l'État prélevé taxi, même pas aucune garantie que je pas acheté gaz à même prix à port au prince à Jérémy. Parce que la loi de l'offre et la demande a joué. Quand il y a plus de monde qui a besoin de gaz à moins cher. Donc l'État, moi, souhaite que l'État toujours ait capacité pour importer gaz là, pour le cas assurer un prix administré sur le territoire. De sorte que comme Jérémy, ou bien verrette, moi paye galon gaz à même prix. Donc, ou nous dans d'autres produits, pas comme ça. Donc, moi, c'est très important. Bon, je peux dire que Kavan dans l'Ouest, Kavan dans l'Ouest. En effet. Dernier round avec les questions Katiana Fauvelt et Michel Galengdo et puis Emmanuel Exantus. Rapide pour nous. Katiana Fauvelt. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes et félicitations. Alors, moi, j'ai deux questions. Première, là, c'est pour député Vikens. Et puis, deuxième, là, c'est pour monsieur Guichel. C'était une séance qui était faite dans le Parlement le 14 juillet passé. C'était une séance d'interpellation. Député Garibolo, qui est président de Chopbassin, l'Irélé, ex-ministre, ex-premier ministre Jacques Guilafoto, pour lui venir intervenir.
li vini et puis après li dit li démissionné depuis hier, li remet président démissionne. Jusqu'à présent, je me pose cette question, est-ce que le premier ministre a vraiment démissionné? Alors, monsieur Vikens, puisque son ancien député, qui est-ce Gary Bodo qui est le président de la Chambre basse par contre pour la nation? Deuxième question, monsieur Guichard, ou t'es dit au début que comme si ou pas toi intervenu sur question gazan parce que c'est ton affaire de gouvernement. Question, est-ce que ça cap passé dans prime actuellement? Le Parti national s'en fout. Merci. Merci. Michel Galindo. M'a dit merci à tout intervenant et à tout le monde qui est là. Question m'a posé c'est que après discours président, il était dit comme ça que peuple a parlé avec lui tendez. Est-ce que c'est pas façon peuple a réagi à même à savoir pillage que c'est ça que peuple tendez? Est-ce que c'est pas moyen ça pour peuple a toujours continuer parler avec pour le qu'attendre? Ça c'est pour une question, puis deuxième question, qu'est-ce qui est vrai responsable ça qui s'est passé en parlant de 6 et 7 juillet qui s'est passé là? Est-ce que c'est bourgeoisie ou bien c'est politicien nous? Qui est-ce qui est vrai coupable là? Merci. Merci. Emmanuel Exantus. OK, moi saluer tous les panélistes et moi dis merci tout à l'initiateur et forum là qui a prendre Nobel bas aujourd'hui. Et intervention là les surtout apporter sur un ensemble de discours qui encadrer question mouvement populaire aujourd'hui hein, dans le pays hein, et si c'est cette UEA et faire résurgir par exemple en pile monde qui a parlé yo parler de violence yo parler de injustice toujours gain des termes dévalorisants que yo quali yo utiliser pour qualifier ça que fait 67 là et li c'est un comme d'ado nous gain un bon discours qui ban un miroir déformant de sortir les luttes populaires aujourd'hui hein au cas plus dit en pile monde cap dit son ban connait volet on série de pilleurs qui prend la rue sans yo pawe un peuple qui aujourd'hui am t'es capable dit commencer réveiller et surtout aujourd'hui en ça qui échappé nous dans politique qui cite impact nouvelle technologie d'information yo important pile dans en formation ba connait informel cap fait aujourd'hui hein la population de telle sorte que Député a sauté, il a dit ça. Non, jamais. Député a pas dit ça. Jamais, beaucoup dit ça. Là. Ma gueule dit ça. Par contre, si m'a dit les papiers. J'ai pas là, mais monsieur, il a pas dit ça. Non, il faut retirer, il faut retirer. Il faut retirer ça. Il a toujours, mon cher. Oui. Donc, préoccupation, c'était surtout sur le terme que nous avons utilisé. Certaines fois, je trouve que les gens naïveté là-dedans, même si il y a des gens qui ont légitimité, ça a fait dans la rue, mais. Terme yo utilisé pour parler de mouvement bah c'est li trahi position yo sur question dou li pa dil est-ce que d'accord ça là et bon moi d'accord moi retirer li merci bravo merci merci vous avez la parole non parce que ça intéressant parce que entre nous toutes nous là entre nous si début a dit un bagage il faut l'accepter le deal faut ou même connaître s'il pas dit comprendre pour nous clair bon monsieur question nous n'amène nous là oui c'est une question qui t'adresse un petit gens directement avec nous. Moi-même, ça m'a dit que grand pile monde qui là, qui pas de temps ouais l'autre populaire qui était qu'on tirer dans l'école normale là, derrière de l'école normale là, t'es combien là? Bon 04 qui t'es traversé non les vite. Eh, vous y avez été, vous êtes crasé. Moi-même, c'est bagay qui passait dans le parlement l'autre jour. Bon, image ça retourné dans tête moi. Nous qu'a fait journée là pour faire des considérations. Ouais. Mais par-delà de tout ça, comment par exemple, ou ka gen nan tèt un pays, des mouns, un premier ministre événement passé, le discours du président Jovenel le soir du samedi, li te dwe gen au moins, et m'ta ka di, 3-4 points la donne. Premier point, mouns reconnaître que gouvernement trompe le sous décision ça. Deuxième bagay, parce que gouvernement trompe le, moi mandé gouvernement démission immédiatement. Deux. Troisième bagaille, nous pral faire en sorte pour de pareil manquement pas arriver pendant madame nan. Merci peuple haïtien. Voici le discours du président. OK. Bon, président raconte un paquet de causes et cetera et cetera. Bon, une semaine après, Gary Bodo dit premier ministre gouvernement descend, il a pas interpellé. Mais ça en tant que responsable de l'État, si le Premier ministre connaît l'idée de démissionner, bref,
li pa gen rentre nan parlement encore. OK. Bon, monsieur Avini a tout équipe gouvernement Yoshita copieusement. Bon, m'a demandé si yo pas gen temps manger même parce que moi même temps pas comprendre ça m'dou là, faut faut recevoir nèg yo vinn invité vinn la caillou. Ouais ça nous faut recevoir donc l'argent qui dépenser l'argent ça et Guichard prend pour couper là définitivement faut tout mettre un premier ministre déjà démissionné chez lui il ne peut pas manger au parlement non, au parlement point merci. Final comprendre ça là donc kounya là monsieur Avini Lichita et puis close huit clos pop et théâtre bon nous te gain temps démissionner nous pas font pays ça ouais ça nous là bon nous pas font pays ça donc c'est dit que bagarre là malheureusement c'est là n'a dit lui ouais ça nous là devant le monde entier n'abdil nous pas font pays ça premier ministre en démissionné j'écris au président de la république et copie conforme au sénat et à la chambre des députés je le regrette de vous annoncer je ne peux pas venir parce que ce matin j'ai eu ma démission au président de la exécutive démission qu'il a accepté point final comédie a fini ouais ça me donne nous pas besoin river là etc etc donc OK maintenant alors tu casse vite pour oui moi m'a fini là et question qui t'est posée qui dit qui est-ce qui est responsable là moi je pense que il y a deux mots nous ca utiliser là gain responsable gain coupable gain responsable gain coupable yo pas même bagaille à un certain niveau le président de la république est responsable à un deuxième niveau le gouvernement est coupable. Et c'est ça qui explique que, ouais, c'est sous gouvernement, même, il a fait pression, qui forçait prendre M. A, comme M. Dadou, qui dit, mettons sous côté. Elles sont prennent ça de là. Donc, moi-même, dans toute logique, ça, pour me ramasser question, j'en m'y entendis, rassure que moi-même, moi toujours responsable de ça me dit dans la politique et ça me fait. Moi dit que M. Javéchal utilisait un ensemble de bagages qui t'a passé sur les réseaux. Il prend youn. Il dit même si, alors, les gens qui écrivent ça, ils mettent elle en place, les gens qui étaient dans la rue. Il dit même si, moi pas de raison dans la rue, mais derrière présence, moi dans la rue, bon raison. Et moi dit c'est logique, pas dans tout. Et c'est depuis que je c'est ça m'a défendu. Moi dit même si, comme si je suis un monde a besoin, lapide et Jean gouvernement fait nous perdit vie ça nous perdit avantage nous perdit façade nous perdit devant toute bagaille ça nous perdit là prétextant que son bagaille qui manifestait pour inviter au questionner derrière lui inviter au questionner raison qui fait que c'est pour ça manifester le moine Bono. Okay. Bon alors petite précision m'a porté c'est concernant question sous premier ministre là dans histoire politique régime ça qui en Haïti là depuis 1988, ça fait sixième premier ministre que j'ai interpellé. Ça fait sixième. Deux premiers ministres qui ont été interpellés et qui ont remis démission, ils vont même descendre dans le Parlement. C'était Jean-Marie Chérestal, il a interpellé, comme il n'a pas descendre, il a écrit et il n'a pas mis de pied. Deuxième monde qui a été interpellé encore et que il n'a pas réuni et il a écrit. Il remet démission, c'est Michel Pierre-Louis. Quatre autres premiers ministres qui ont interpellé, dans toute histoire ça, tous les quatre, eh bien, ils ont été présentés devant le Parlement. Par exemple, Jacques-Édouard Alexis, pour une épreuve, il a été interpellé en 91. L'IRIVE, séance pas finie, scandale pété. Maintenant, ça vient coûter président, chambre députée, à siège lit comme président. Vous comprenez? Il vient pas président encore. Mais, non, c'est pas de Kelly Bastien. C'était en 91. Là, c'était sous Ernst Pedro Cassius, okay. Qui était président de la Chambre des députés. Mm-hmm. Et bien, immédiatement, eh bien, le président vient perdre du siège. Parce que les pas quitté la séance, la fini. La situation était difficile, et puis il levait la séance. Là. Et Ronnie Smart, il a été interpellé le 24 mars 1997. Il a été interpellé, il est arrivé devant le Parlement. Pas de majorité qui pouvait l'aller, eh bien, il était dans le poste. Vous comprenez? Jacques-Édouard Alexis, chambre député, a interpellé, pas de majorité pour vous aller, il est dans le poste. Deuxième interpellation au Sénat, il fait en 2008, eh bien, dans l'IC Paret, eh bien, vous aller. Ça veut dire sans que. Sans débat. Sans débat. Ça veut dire qu'une fois que le Premier ministre, lui-même, a interpellé et qu'on connaît, ou pas venir, ou remettre démission, ou pas descendre en bas. C'est faux, les Jacques de la Fontaine dit qu'il te remet démission.
Parce que la veille, il dit qu'il va aller pour regarder les députés en danger. Ça veut dire que il n'est pas démissionné. C'est en bas, situation un petit peu fragile. Et puis pendant en bas, ils font une suspension de séance. Et puis après, ils dit que il va mettre démission déjà. Et puis il fait. Là, il faut avoir courage pour établir la vérité sur faire ça. Et son acte inédit, ça, M. Defer, là, et que lui présenter devant un Parlement son interpellation. C'est ou bien on vient dans l'interpellation, ou bien on pas venir. Si on pas venir, chita la caillou, ou écrit président, ou remettre démission, on veut copier conforme par Parlement. Merci. Merci, Bruno. Allons, on a une petite question encore. On a l'autre monde qui te pose une question. Avant la dernière intervention. Sous symbole, on sait de termes qu'on a utilisé. Ça va dépendre de qui média. Ça va dépendre de qui journaliste. Qui intérêt mon nom par rapport à. Et ça qui est passé, et utiliser des expressions peut-être soit pour diaboliser les gens qui ont fait cet événement, ou bien que la population qui a participé dans l'événement, ou bien que l'autre tout qui a dit oui, et bien, qui utilisait des expressions qui ne sont pas tout à fait dégradantes. Alors ça va dépendre de l'orientation média, de journaliste à lui-même, intérêt, il y a tout ça qui est entré en ligne de compte. D'accord? Guichard, oui. Oui, alors, bonne question que. Non, Guichard. Oui, qui était sous. Est-ce que c'est pillage et qui pour gagner pour des manifestations? Pour faire président entendre. Pour président entendre. Pas quoi ça. Parce qu'il est toujours à l'écoute de la population. D'ailleurs, président toujours. Parce que chaque week-end, il est dans nos zones, soit dans le département de la Grand'Anse ou bien dans le département du centre. Il est toujours. Là, d'ailleurs, c'était une promesse de sa campagne électorale. Il est toujours sauté. Donc, il est toujours à l'écoute. Mais maintenant, sous cette décision qui a été prise pour retirer les mesures qui étaient faites pour ajustement pour les produits pétroliers. Bon, c'est vrai que, écoutez, quand on gouverne pour la population quand même. Donc, le président pas diriger peut-être lui. C'est juste que la majorité de l'Union a une décision qui prend que le gaz et le n'est pas d'accord. Donc, il a retiré. Ce n'est pas parce que il parle à l'écoute des populations, il faut que tu gagnes un saccage pour ça. Non, du tout pas. Mais il faut nous comprendre tout. Quand on fait de la politique à un moment T. Hein? Donc, c'est très important, la dimension temporelle de l'action politique. Donc, moi, je crois que faut nous tenir compte de ça et de connaître de l'environnement. Et contrairement à ça, ne pas dit tout dans l'émission, c'est que le prix gaz là, il était fait partie de yon accord. Moi, j'ai un article écrit sur ça, nous nouvelles avec FMI pour. Depuis des années, l'État a subventionné. Il y a plein de monde qui n'est pas d'accord avec ça, mais c'est un fait. Parce que nous pas acheté li dans le prix que normal pour acheter là. L'État toujours, il manque à gagner sous lui. Et donc, dans ce premier temps, le budget de la République n'est pas arrivé à supporter. C'est même pas là tout sur l'électricité. Et l'État a subventionné l'électricité, l'a acheté le même, il y a même un contrat que l'État a signé avec des producteurs de l'énergie pour bailler courant. Donc là, c'est des réformes, des finances publiques pour nous recommander qu'il y ait un capin. À l'agence, il y a un capin pour faire autre chose. Contrairement à ça, on dit. Population, petit camionnette, c'est pas consommer, le grand consommateur pour du pétrolier, c'est pas vrai du tout. Non, la vérité, mais, c'est le mensonge. Non, mais moi, Michel, dis, tout à l'heure. Yo, dou, non. Non, mais ça va pas. C'est moi, même, c'est le mais le peuple est là. Tout à l'heure, bon, parlez. Ok, ok. Ok, moi, même, m'a expliqué. Yo, dou, non. C'est ça, me dit bonjour, madame, qui va passer contre la route. Mais monsieur, parlez-moi vérité, non. Yo, dou, non, dis fort. Pourquoi parlez-moi la vérité? Monsieur, je dois terminer. Ok. Oui. Moi, dis que c'est pas. Pas comme l'autre, mais quand même comme. C'est pas. Écoutez, petit camionnette, n'a pas utilisé qui grand consommateur et produit pétrolier. Pas vrai du tout. D'ailleurs, que ce qui a été décidé, c'est que prix a toujours quitté là, avec compris. Non, malheureusement, ça n'a pas été fait pour te bailler des bons de transport à chauffer ou t'as pour te prendre. C'était ça que tu as préparé tout à l'heure. Yes. Maintenant, le grand consommateur de produits, c'est les usines qui sont grand consommateur. Ce n'est pas le mal justifier quoi que ce soit, mais il y a une étude qui fait tout ça, qui prouve ça. Donc maintenant, ceci étant dit, il faut que nous ayons moyen pour nous rationaliser. Bah, donc si nous pas rationalisé, pas non logique m'a shooté sous gouvernement ou pas en tant que citoyen haïtien non mais dis-tout pas parce que nous pas pour dénier de la vérité c'est plus gros bagage c'est nous qui dit la vérité non mais écoutez, nous pas shooté la vérité avec petit V en tout cas OK d'accord donc maintenant moi même ça me dit c'est que il y a la vérité avec grand V il y a la vérité avec petit V moi je dis la vérité avec grand V donc moi by des chiffres moi dis que 1
Personne ne va pas croire dans ce qu'on dit. Non, mais où on ne doit pas croire, on doit choisir pour ne pas croire, monsieur. Personne ne va pas croire. Parce que c'est faux. Non, mais est-ce que, qu'est-ce que vous avez c'est à prouver que c'est faux? Donne-moi votre vérité, monsieur Bono. Oui. Monsieur Bono, donne-moi votre vérité. C'est vous filmez de l'information. Non, non, donne-moi votre vérité. Monsieur Doré, chaque fois, il y a un mot pour nous filmer. Dit que c'est bourgeois qui utilise le gaz en pile. Non, pas fait ça, pas fait ça. Pas dit ça. Même belle, nous, chaque la parole pour nous. La finalité de l'État, c'est arriver en équité dans la distribution de richesses. Donc, moi, sous point ça, moi, je dis que non. Ou même, vous avez l'autre vérité. Bon, moi, vous n'en avez pas. C'est ce que je constate. Ok, d'accord? Moi, je comprends, je me dis, je me dis, je me fais souli. Donc, moi, je dis que, un, la finalité de l'État, c'est-à-dire que nous avons devant un bien. Tous les groupes sociaux ne sont pas égaux devant l'accès aux biens ou la richesse, comme les produits pétroliers. Moi, je dis non, ce n'est pas la population grande consommateur. Je finis. Moi, je chiffre, un bon chiffre en fonction des données dont je dispose. Donc, oui, point bas si vous voulez. Il n'y a pas dit. Donc, moi-même, ce que je dis, c'est que faut que nous fassions bah, avec plus d'élégance. Parce qu'on a besoin d'élégance dans le discours, on a besoin d'élégance dans l'art de convaincre. Je vais venir là pour me mentir ou quoi que ce soit. Merci Guichard Doré. On a fini. Rapidement, messieurs, en quelques secondes, qui ça pour nous faire hein? En fait, nous parler là, nous chaque dit qu'ils le sont tirés. Qui ça pour nous faire pour ne pas tourner dans l'obéi social encore. Messieurs, et bon, commencer par. Pour ne pas tourner dans l'obéi comme ça, il faudrait bien que nous gagnions des dirigeants. Là, ils prennent des décisions, ils mesurent les décisions qu'ils prennent. Ils calculent les risques qu'ils ont gagnés dans la décision et là, ça, ils prennent des décisions qui ne peuvent pas être trop de problèmes dans la société. Merci. Bon, je comprends que la finalité de la politique, c'est prendre des décisions. C'est vrai, d'accord, M. Bono, c'est bon, il faut mesurer, mais il y a un risque calculé. Et si on prend des risques, il n'y a pas de progrès. Je ne crois qu'aucun pays développé sans prendre des risques. On a toujours pris des risques pour construire l'avenir. Voilà. Et la finalité politique, c'est améliorer les conditions du peuple, il faut prendre des risques. Merci. Député. Bonjour, madame, puis bon, passez contre la route. Même si moun yo ki nan la ria pas de raison dans la ria mais derrière présence yo dans la ria chercher qui raison qui fait c'est dans la ria yoté voilà merci monsieur pour cette prestation merci et merci à chaque moun qui fait déplacement ça. Je crois que nous tout a dit nous aimons pays là hein nous aimons Haïti nous ta aimons que Haïti a de l'avant donc c'est peut-être ça forum inviter nous venir discuter ensemble quel que soit horizon politique nous c'est ça qui est important si nous cap faire ça nous capable aller plus loin on va nous toujours dire dans forum ça pour Haïti aller plus loin faut le dépasser ni Afrique du Sud ni Rwanda faut innover politiquement on bonne bagarre pour nous faire. Et ça, c'est fruit, c'est un philosophe français qui a dit tout le temps, Blaise Pascal, hein? C'est fruit réflexion. C'est réflexion qui dit qui qualité mounouillé. Hein? Si nous continuons à réfléchir ensemble, si nous continuons à parler ensemble. Parce que ça qui est intéressant là, c'est que tout le monde a discuté là. Après, on va loin, nous faisons photo ensemble, donc pas grand bataille. Donc c'est ça qui est intéressant tout. Et pour les acteurs politiques qui discuter en un pays, nous discuter, même si nous ne sommes pas d'accord forcément. Jusqu'à ce que nous arrivions, nous joignons pour une jonction pour nous mener pays à côté de nous. Merci pour la participation dans l'émission. Merci tout le monde pour la participation. Merci, amis téléspectateurs, Radio-Télé Caraïbes. À la prochaine. Merci beaucoup.